Bonsoir à vous toutes et à vous tous, il est 18h45 tout pile, nous sommes le 12 septembre 2017 et c'est un grand soir, une grande soirée que nous allons vous faire vivre sur 01net TV puisque c'est ce soir qu'Apple a décidé de présenter ses nouveaux iPhones. Soirée spéciale donc, on est ravis de vous retrouver Jérôme, bonsoir. Salut François, comme d'habitude cet événement est à vivre en live sur 01net TV. Pourquoi ? Parce que nous allons dans un instant nous téléporter à Cupertino, au siège d'Apple. Vous découvrirez les images, les toutes premières images du nouveau siège de la marque à la pomme. Et puis tout au long de la soirée, on va suivre ensemble les annonces de cette keynote quasiment historique, François, on peut le dire. Exactement. Petite précision, plusieurs canaux pour voir ce rendez-vous live, hein, cette keynote sur 01net TV. Bien sûr, sur 01net.com, vous avez un petit lien qui vous permet d'accéder au live et à notre dossier iPhone avec toutes les dernières vidéos et toutes les dernières rumeurs. Il y aura aussi un dispositif exceptionnel avec Pierre Fontaine et la rédaction de 01net.com qui vous permet de suivre à l'écrit, en fait, oui, toutes les annonces qu'il va avoir ce soir. Et puis, sachez que ce live est disponible aussi sur YouTube et sur les box SFR. C'est une première. Si vous êtes abonné SFR avec la box SFR numéricable, eh bien, tout simplement, vous pouvez nous regarder comment ça fonctionne. Tiens, si vous nous regardez sur YouTube et que vous avez envie de nous rejoindre sur le canapé, sur votre télé, si vous avez une box SFR, c'est très simple. Vous allumez votre box et sur la home de la box, vous avez une petite image avec la keynote. Vous cliquez dessus et on apparaîtra comme par magie. Voilà, on est ravis de vous retrouver sur les box SFR donc pour ce live exceptionnel. Bienvenue à vous qui nous regardez peut-être du fond de votre canapé sur votre télé. Vous avez bien de la chance. François, sans tarder, je propose qu'on aille tout de suite du côté de Cupertino parce que le temps nous est compté en fait. À 19h pile, ça va démarrer. Et nous avons la chance d'être en principe en direct avec Pierre Fontaine de 01net qui se trouve sur place. Pierre, est-ce que tu nous entends ? Parfaitement, oui. Ça Salut marche. Pierre. Comme quoi, quand tu appelles jouer à domicile, le wifi est de meilleure qualité, quoi. C'est pas mal. Alors dis-nous, raconte-nous, tu es dans cette nouvelle amphithéâtre qui est tout nouveau, hein, tu l'inaugures ce soir. C'est donc Steve Jobs Theater. Voilà, je suis dans le Steve Jobs Theater, je suis dans, allez, on va dire, au 14e rang, 6e siège, c'est absolument incroyable. Donc je suis effectivement dans cette salle qui contient à peu près 1000 sièges. Et alors, quand je dis siège, je rends pas hommage à la chose, hein. c'est des fauteuils cuir plein de peau, on s'enfonce dedans, on a l'impression d'être à la maison, avec des prises pour brancher les ordinateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin bref, c'est un petit peu le luxe, c'est un petit peu la keynote de luxe, ça pourrait être 10 ans d'Apple. On s'y habituerait presque là en fait. J'ai cru comprendre et que chaque siège coûtait 14 000 $, j'ai lu ça sur internet. Bah, alors c'est ça, c'est la facture que j'ai reçue au jour, d'accord. J'ai vu effectivement cette information, je ne peux pas la confirmer parce que je n'ai pas discuté avec qui que ce soit d'Apple sur la question, mais on va dire que si Apple veille à la dépense, généralement, ouais, l'argent n'est pas un problème chez eux. Pierre, c'est possible. Comment est l'ambiance ? Est-ce qu'il y a une fébrilité particulière, une tension ? Tu as vu des têtes connues ? Comment ça se présente ? Alors j'ai vu un certain Steve Wozniak, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, ça nous dit quelque chose. Un petit monsieur avec une barbe blanche qui paye pas de mine comme ça, mais qui est effectivement le cofondateur d'Apple. J'ai vu aussi Brian Kroll qui est chargé plus spécifiquement de tout ce qui est Mac. J'ai vu effectivement quelques têtes un peu connues. Alors là dans la salle, il y a comme toujours, il y a un petit peu un brouhaha. Même si les journalistes commencent à se concentrer un petit peu sur ce qu'ils vont raconter. Donc le brouhaha vient essentiellement des salariés d'Apple qui sont un petit peu dissipés dans la fosse. Ah, je pense qu'ils vont se lamer, je ne sais pas s'ils vont mettre le feu ce soir, enfin aujourd'hui. Donc l'ambiance est, on va dire, studieuse et impatiente. Ouais, voilà. J'imagine, Pierre, en plus que cette keynote a un sens tout particulier, au-delà du fait qu'elle ne se déroule pas, comme d'habitude, on va dire, dans cette grande salle qui est à San Francisco, là, on est vraiment chez Apple, elle a aussi, ouais, on va dire, peut-être aussi une connotation un peu avec de l'émotion, puisque voilà, on va fêter les 10 ans de l'iPhone. On va sans doute rendre hommage aussi à Steve Jobs. Je vois pas Tim Cook ne pas évoquer Steve, oui, non, ce soir. Déjà, dans le fait qu'on soit dans le Steve Jobs Theater, ça va être difficile de passer outre la présence même fantomatique de Steve Jobs, c'est sûr. Parce qu'effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'il a annoncé et lancé le premier iPhone. Les produits sont très attendus parce qu'ils doivent marquer le coup, mais Apple est aussi très attendu par cette keynote.
parce qu'il faut qu'il soit à la hauteur. Alors à la hauteur, certes, c'est difficile de faire des surprises, qu'il y a eu beaucoup de fuites, mais qu'ils arrivent à faire une, à raconter une histoire qui raccroche ces trois nouveaux iPhones à une histoire de 10 ans, quoi. Maintenant, s'ils commencent à être pour un produit grand public, à être pas mal, quoi. Voilà, pendant que tu parles, on est en train de voir des images de l'Apple Park. C'est cet immense campus Apple qui... Alors, on ne se rend pas trop compte de l'échelle, hein, mais c'est carrément immense. C'est une ville. C'est gigantesque. Hein. De l'entrée par laquelle on est entré jusqu'au Steve Jobs Theater, on a mis 5 à 10 minutes en marchant, enfin, je dirais 5 bonnes minutes en tout cas. On a l'impression de se balader dans un jardin botanique un petit peu. Il y a des arbres partout, de la verdure, c'est hyper calme, il y a quelques oiseaux qui gazouillent. C'est vraiment c'est difficile de se dire qu'on est quand même à quelques centaines de mètres de la grosse voie de communication qui relie San Francisco à la Silicon Valley. Pierre, j'imagine, la keynote commence dans 9 minutes, on va te laisser t'installer pour que tu puisses faire vivre à tous les lecteurs de 01net via un chat en direct toutes les annonces. Et puis on le retrouvera en fin de live, hein, très probablement. On compte sur toi tout à l'heure pour nous rappeler. Et pour peut-être nous montrer les nouveaux iPhones en exclusivité pratiquement, donc ça va être cool. Juste une petite dernière question, est-ce qu'il n'y a rien qui fuite pour l'instant ? Alors évidemment, moi j'ai... Tu dis ça parce que le bâtiment est tout neuf. C'est malin. J'ai taquiné un petit peu les différents représentants d'Apple que je connais et en leur disant dis donc, vous n'avez plus rien annoncé, là, vous avez juste TCP, on s'en va. Et en fait, ils ont dit n'inquiétez pas, il y a encore des surprises, il y a encore du spectacle, vous n'allez pas regretter d'être venu et ça va être bien. Donc, bon, on veut bien croire qu'ils sont aussi là pour faire passer un message, mais. Ça risque d'être une belle keynote, effectivement, avec de belles annonces encore. C'est une grande soirée qu'on s'apprête à vivre sur 01net TV, ça c'est clair. Et Apple va faire le show. Merci Pierre. Merci Pierre Fontaine. Te concentrer, t'installer. Et pour lire Pierre en direct, c'est sur 01net.com. Christopher Simidelia, salut Christopher. Salut, bonsoir à tous. Salut Christopher. Vous savez, c'est l'éditeur du site 01net.com. Christopher va nous accompagner tout comme l'année dernière pour cette keynote. Peut-être un mot sur le dispositif que met en place 01net. C'est un dispositif exceptionnel, Christopher. Énorme. On n'a jamais vu ça. C'est énorme, on n'a jamais vu ça. Non, mais très sérieusement. 6 hélicoptères, 2 porte-avions. Ceux qui sont devant leur télé ou devant leur ordi, donc un live ce soir sur 01net.com, 01net TV. Pierre Fontaine qui est sur place, mais c'est aussi toute la rédaction de 01net.com qui est mobilisée derrière à la rédaction. Ils sont tous là, je peux vous dire que tout le monde est là sur le pont pour sortir des décryptages tout au long de la soirée, des papiers, toutes les caractéristiques techniques des produits, ce que ça change, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de moins nouveau. Voilà, c'est à suivre sur 01net.com. On a un énorme dossier dédié à l'iPhone, 01net.com/nouvel iPhone, avec un tiret entre nouvelle et iPhone. Et en plus, ce soir, écoutez bien les amis, thing, parce que là... Le one more thing, c'est ici, c'est chez nous, c'est en fait. Ouais. En théorie, si tout va bien, on découvrira dans une heure un nouvel iPhone. Mais un iPhone qui sera très haut de gamme, un iPhone complètement en rupture par rapport à tout ce qu'on connaît. Eh bien, ce nouvel iPhone, écoutez bien, vous allez pouvoir le gagner grâce à 01net. Voilà. Ouais. L'un d'entre vous, qui nous regardait peut-être ce soir, remportera un iPhone. Alors, on ne sait pas trop comment il s'appelle. On murmure qu'il s'appellerait l'iPhone 10, l'iPhone X. Eh bien, cet iPhone sera à vous. Comment jouer, Christopher ? C'est un jeu qui va durer sur plusieurs jours. Et c'est tout simple. Vous allez sur 01net.com. Vous avez... une bannière avec le dossier et là vous avez un lien sur lequel vous cliquez et vous devez répondre à une petite question toute bête concernant l'iPhone. Si vous y répondez, si vous laissez vos coordonnées, vous participez au tirage au sort pour cet iPhone édition qu'il y a à gagner. Je peux jouer moi ? Non, tu peux pas jouer, mon grand. Non. Tu vas être obligé de dépenser 1200 euros pour avoir l'iPhone. C'est comme ça. Tirage au sort le 3 octobre, mais en tout cas, tentez votre chance, parce que je crois que c'est la première fois qu'on offre un cadeau aussi exceptionnel sur 01net. Vous vous rendez compte, l'iPhone, le nouvel iPhone n'est pas encore annoncé, et on vous l'offre sur 01net.com. C'est la classe quand même. Hein. Merci en tout cas à vous qui venez de nous rejoindre. Hein. Voilà, vous êtes très nombreux à nous rejoindre sur YouTube, puisque dans 5 minutes, c'est la keynote qui commence. Donc là, on est en train de faire le warm-up. Hein, exactement, comme on dit. Le warm-up, c'est beau. Et sur YouTube, vous pouvez réagir, comme envoyer vos commentaires, mais ça va très très vite hein, sur YouTube. Sinon, sur Twitter, avec le hashtag habituel
Twitter, hashtag 01live, et puis on jettera un coup d'œil de temps en temps à vos messages. On essaiera d'y répondre, de réagir. On a un autre invité qui est avec nous, oui. Hein, François, pour démarrer cette keynote. Alors vous ne le connaissez pas, vous l'avez jamais vu au sein de l'équipe de 01net. C'est Milan Boigard. Bonjour, bonsoir. Milan. Et Milan est spécialiste de la réalité augmentée. Vous animez le site qui s'appelle goglasses.fr et qui est consacré à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, etc. Et pourquoi on vous a demandé de venir ce soir ? Eh bien, c'est parce qu'a priori, on devrait parler de réalité augmentée. Hein, si effectivement, ce soir, on va vraiment beaucoup bien parler. Dans le micro, hein, Milan. On va. C'est la contrainte. C'est ça. TV, du coup, effectivement, ce soir, on va beaucoup parler de réalité augmentée, notamment avec AirKit, puisque c'est Apple qui a dévoilé donc lors de la dernière conférence à la WWDC, pour les développeurs, ils leur ont montré en fait AirKit, qui est donc un kit de développement, un SDK, ce qu'appellent les développeurs, ouais. Et qui va leur permettre donc de construire des applications en réalité augmentée. Et ça a déjà commencé, parce que là, par exemple, on voit quelques images. C'est une application de mesure, en fait, donc ça fait une partie des applications de réalité augmentée qui seront possibles. Bon, pour l'instant, peu de personnes l'ont développé, c'est ce qu'on appelle des POC, c'est des proof of concept, en fait, des choses qui ne sont pas encore publiées sur le store, mais ça va être assez intéressant de savoir ce soir, en fait, le nombre d'applications qui vont apparaître très prochainement sur ce store. Et d'après les premières images qu'on a vues depuis la WWDC, hein, ça a l'air impressionnant. C'est-à-dire que la précision de la réalité augmentée a l'air démoniaque, quoi. Regardez ces petits exemples. Et juste avec un smartphone. Alors, juste avec un smartphone et les capteurs qu'il y a dans le smartphone. Et effectivement, alors les applications sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et la prise en main pour les développeurs au regard du nombre en fait, de premières applications qui ont été faites a l'air plutôt assez aisé dans un premier temps, notamment. Ah, c'est facile pour les développeurs. Alors, c'est important. Oui. C'est effectivement, il y a une vraie communauté de développeurs qui s'est créée, de personnes vraiment enthousiastes pour développer, et surtout des très très belles idées. Hein, ça va d'applications qui sont très pratiques et pragmatiques, comme des applications de mesure. Mais on a aussi des jeux. On va avoir Giphy qui va sortir une application de GIF. On est beaucoup plus loin. Enfin, Giphy, ça n'a rien à voir avec le magasin. Non, pas du tout. Giphy qui sort un truc, pourquoi pas. Hein, cela dit. Hein, Giphy, t'as pas pensé à ça toi aussi ? Évidemment. Mais je t'ai vu. J'étais pas très franco-français en fait dessus. Milan, donc on va en reparler hein, au cours de la soirée. Mais encore en un mot, ce qui est important aussi de savoir, c'est que tous les gros sont sur ce dossier. Hein. Effectivement. Apple, mais aussi Google, Facebook, etc. Effectivement, il y a une vraie bataille en fait qui se joue aujourd'hui sur la réalité augmentée, que ça soit à la fois sur le mobile, mais que ça soit également sur les parties lunettes et casques de réalité augmentée. Là, ce soir, on va vraiment être focalisé sur le mobile. Si Apple sortait autre chose qu'un smartphone. Je ne sais pas, des lunettes pour la réalité augmentée. Alors là, du coup, ça serait vraiment un vrai one more thing. Un joli one more thing. Pour le coup. Mais effectivement, il y a une vraie bataille qui se joue au niveau de la réalité augmentée. Alors peut-être que du coup, on aura le temps d'y revenir après. Alors Milan, on te coupe la parole et on va souvent te couper bien la parole. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment mal poli. C'est la règle du jeu. C'est que là, voilà, on attendait les premières images de cette keynote Apple. Et ça y est, les premières images arrivent. JD qui réalise ce live nous les montre. Voilà, ça, ce sont les images qu'Apple nous envoie en Donc temps réel. Ça, c'est le chemin qu'on empruntait tout à l'heure. Avec ce fameux ascenseur, Jérôme. Oui, mais ça rappelle vraiment l'Apple Store. Enfin, les Apple Store. C'est la même logique que les Apple Store, c'est la même veine architecturale. Magnifique. Et c'est donc un bâtiment qui est à l'extérieur hein, de l'Apple Park. Exactement. On l'a aperçu tout à l'heure. Et alors tu le sais, tout comme moi, tout ça a été, et c'est ça qui rend encore plus émouvant cette soirée, tout ça a été conçu, imaginé par Steve Jobs, parce qu'il faut savoir que bon, Steve Jobs nous a quittés en 2011. Ces travaux titanesques ont duré plusieurs années, mais Steve a dessiné lui-même les plans de tout ça. Donc, ah en oui, fait, c'était son bébé. C'était son bébé. Il était allé défendre devant la municipalité de Cupertino, quelques semaines avant qu'il quitte. En fait, il était déjà très malade. Donc, enfin voilà, tout ça, même si ce n'est qu'un iPhone et un smartphone, etc. Il y a une dimension humaine et voilà, sentimentale un peu fort. Petite anecdote qu'on découvre dans la biographie de Steve Jobs, les panneaux vitrés qu'on voit en vidéo. Steve Jobs en est l'un des co-créateurs, disons, qu'il a co-signé le brevet qui était déposé pour ces vitres, parce que c'est vraiment un bijou d'ingénierie. Merci de nous rejoindre, il est 19h pile, vous êtes sur 01net TV, peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur 01net.com, peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur YouTube. Sachez que vous pouvez aussi regarder ce live, et c'est une première sur les box numéricables SFR. Nous sommes en direct sur les box numéricables SFR, il y en a plus d'un million, donc si vous êtes abonné à SFR, vous pouvez nous regarder, c'est très simple, vous allumez votre box, vous avez le menu Home,
et vous avez une vignette qui apparaît avec le live keynote. Vous cliquez dessus et vous nous retrouvez. Vous pouvez nous regarder comme ça tranquillement, installé sur votre canapé, sur votre télé. Et on est très très heureux d'avoir pu établir ce partenariat avec SFR donc pour cette keynote en live. Voilà, et je crois que ça commence, François. Ça commence pour de bon parce que voilà les premières images que nous envoie Apple. Donc vu sur le Steve Jobs Theater avant le lever de rideau qui devrait intervenir dans quelques secondes. Voilà, là nous sommes en direct depuis le Steve Jobs Theater, tu le disais. Beaucoup de monde, hein. Tout le monde s'installe. Donc principalement des journalistes mais également aussi beaucoup d'employés d'Apple qui vont faire la claque comme d'habitude. Bien sûr. Ils vont applaudir à tout rompre. Et puis tous les acteurs des télécoms aussi hein, sont là-bas. Vous vous rendez compte, un nouvel iPhone, bon, c'est déjà un événement, hein, chaque année, ça rythme en quelque sorte les ventes des smartphones haut de gamme. Mais là, Christopher, c'est vraiment une soirée, c'est pas une soirée comme les autres. Hein, c'est pas une soirée comme les autres, et c'est marrant parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle de cet iPhone qui va être annoncé ce soir, parce que tout le monde s'est dit, l'iPhone 10. L'iPhone des 10 ans. Ça va être complètement incroyable. Mais je me souviens, l'année dernière, on en parlait déjà. À chaque fois, sur ces 2-3 dernières années, oui, bon, cet iPhone, il est super, il fait ci, il fait ça, mais il n'est pas... révolutionnaire. Il n'y avait pas de rupture. Qu'on a pu adopter, utiliser cet adjectif pour qualifier les iPhones d'Apple. Mais là, ce soir, on s'attend vraiment à du très très lourd. Du très très lourd. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez sans doute vu, tout comme nous, toutes les fuites, mais tous ceux qui nous rejoignent peut-être sur YouTube ou sur les box SFR, qui ne sont pas trop au courant, qui ont un iPhone, mais qui ne savent pas trop ce qui va être annoncé ce soir. On peut vous dire que vraiment, on s'attend à une rupture de design avec un iPhone très haut de gamme qui n'a rien à voir avec ceux que on a aujourd'hui. On peut s'attendre aussi... Qui sera très cher également. Qui sera très cher, bien sûr, et qui intégrera sans doute les dernières technologies. On parle de l'abandon du bouton Home. Vous savez, ce bouton qui nous permet de revenir en fait à l'écran d'accueil. Ça, à mon avis, ça va être les mêmes débats qu'avec la suppression du port jack, hein, parce que c'est quand même une sacrée rupture. C'est une sacrée rupture. Ça existe déjà dans le monde Android, mais sur les iPhones, on avait ce petit repère mécanique quand même. On pouvait le toucher du doigt même sans voir l'appareil au fond de sa poche. C'est intéressant de voir comment Apple a adapté son OS pour la disparition de ce bouton. Alors, je m'adresse à JD qui est en régie. JD, priorité au direct, si tu veux, s'il te plaît, les images que Apple nous envoie. Comme ça, on vous fait vivre en temps réel. Pour l'instant. Voilà, mais on voit qu'on est dans le Welcome to Steve Jobs Theater. Voilà. Steve Jobs qui nous a quittés, rappelez-vous, c'était il y a pratiquement 6 ans, jour pour jour. 2011. Et voilà Tim Cook qui monte sur scène. J'imagine que pour Tim Cook aussi, c'est un sacré moment. Ah oui, ça doit être émouvant, il doit y avoir vraiment une certaine tension. Hein. C'est la première des premières à cet endroit-là. On laisse s'exprimer Steve Jobs. Tim Cook. Tim Cook. And his inspiring message. And it was only fitting that Steve should open his theater. Thank you. On sent Steve, enfin, on sent vraiment Tim Cook ému. To be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater. Steve meant so much to me and so much to all of us. There's not a day that goes by that we don't think about him. Memories have especially come rushing back as we prepared for today and this event. It's taken some time, but we can now reflect on him with joy instead of sadness. Steve's spirit and timeless philosophy on life will always be the DNA of Apple. His greatest expression of his appreciation for humanity would not be a singular product, but rather it would be Apple itself. We dedicate this theater to Steve because we loved him and because he loved days like this, where he could share our latest new products and new ideas with the world. And we do so
not only to pay tribute to Steve, but to inspire the next generation of creators and innovators. Steve was a genius, and one of the many ways that he showed that was in his uncanny ability to unlock the talent of everybody that he worked with. He thought deeply about our workplace and its surroundings, and he believed that they should inspire talented people to do their best work. So over a decade ago, he began to work on a new campus for Apple. His vision for Apple Park was to create an incredible workplace of the future, where engineers and designers could all be together, collaborating on the next generations of Apple product to change the world. Steve's vision and passion live on here at Apple Park and everywhere in Apple. Today and always, we honor him. Voilà, donc évidemment c'était un moment plein d'émotion. Tim Cook était très proche de Steve Jobs. Voilà, c'est Steve Jobs qui a confié les rênes d'Apple en 2011, quelques semaines avant qu'il disparaisse. Et on sent que voilà, Tim était complètement ému dans ce Steve Jobs Theater. C'était un hommage, on sentait hein, qu'on allait avoir ce Ah oui, c'est vraiment la séquence émotion. Bien sûr. Et sincère, visiblement. To talk about what's happening in Florida and Texas, southeastern United States, and across the Caribbean. Alors, on change de sujet, Our hearts go out to all of the people whose lives have been disrupted by Hurricanes Irma and Hurricane Harvey. You're in our thoughts. We send you our strength. You are in our prayers. Voilà, donc la team évoque les ouragans qui ont lieu en Floride, au Texas, aux Caraïbes. Through Hand in Hand and the American Red Cross. And in addition to Apple's direct contributions, we're making it really simple for the entire Apple community to donate via iTunes and the App Store. The Hand in Hand benefit for hurricane relief airs tonight on all of the major broadcast networks. And I encourage you to watch it. And however you choose to give, I hope that you open your heart to this important effort. Thank you. On rappelle qu'on peut faire des dons via iTunes pour les victimes des ouragans Irma. Now, let me tell you a little bit about our new home. We'll start moving in Apple Park later this year. Voilà, donc il va présenter notre nouvelle Apple Park. Really more of a process. And the first big step is the opening today of the Steve Jobs Theater. It's the most state-of-the-art, purpose-built theater ever, built for events just like this one. Apple Park has been built to reflect Apple's values for both technology and the environment. It connects extraordinarily advanced buildings. On traduit un peu, l'Apple Park était une mer de bitume, dit Tim Cook. Maintenant, il est couvert d'arbres et connecte les gens à la nature. Il est alimenté par de l'énergie renouvelable. On le voit d'ailleurs, hein, on a vu tout à l'heure les images. Du dessus, il y a des milliers de panneaux photovoltaïques en fait, qui recouvrent cet Apple Park. Des milliers d'arbres qui mettront des années à pousser, mais ça sera une vraie forêt dans quelques années, ça c'est clair. Apple Park is designed on murmure que le budget global de l'Apple Park a dépassé les 5 milliards de dollars. 5 milliards. Une paille pour Apple. Alors, c'est vrai que là, c'est 200 milliards de cash. C'est comment dire, un plébiscite pour l'Apple Park. Évidemment, on est sur un keynote d'Apple. Mais il y a quelques mois, des urbanistes ont émis pas mal de critiques quand même sur ce nouveau siège d'Apple. Notamment sur le fait qu'il soit circulaire en lui-même et qu'il était à l'opposé de tous les nouveaux principes
de la ville qui avait plutôt tendance à s'ouvrir sur ses habitants, même aux entreprises qui ont un campus maintenant qui est ouvert sur l'entreprise. Parce que là, il y a un peu un côté forteresse. Et l'Apple Park, effectivement, était allé à l'inverse de cette tendance à l'ouverture, en tout cas en termes d'architecture, et dénotait assez bien la mentalité d'Apple. C'est un regard finalement assez intéressant sur ce nouveau campus. Et puis surtout la mentalité de Steve Jobs, puisque rappelons-le, c'est Steve qui avait dessiné ce truc-là. Donc, oui. On voyait mal Tim Cook revenir un petit peu sur le dessin original de Steve. C'est vraiment la dernière œuvre de Steve Jobs, finalement, cet Apple Park. Tout est fait en sorte pour que, finalement, l'Apple Park soit très hermétique au monde extérieur. Assez étrangement. Mais bah, effectivement, on connaît le culte du secret d'Apple, hein. Même si ça a un petit peu évolué quand même. Tim Cook, dans ses interviews entre deux keynotes, dit des choses pas inintéressantes, qui vont plus loin parfois que ce que pouvait dire Steve Jobs à l'époque, etc. Donc il y a une pseudo-ouverture. Et puis sans compter les fuites, enfin fuites entre guillemets, il faut toujours mettre les guillemets à ce mot fuite, mais les fuites incroyables qu'il y a eu. À propos de la keynote de ce soir, puisque on sait en principe quasiment tout déjà. On ne sait pas trop, il y a eu des fuites monstrueuses le week-end dernier, pas plus tard. C'est à lire sur zeroanet.com et on a appris notamment que les fuites sur la dernière version d'iOS, en retraçant les mails qui sont arrivés dans différentes rédactions, ces mails provenaient directement de serveurs d'Apple. Donc ça veut dire qu'il y a une taupe chez Apple. C'est un article qu'on peut lire. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu? En tout cas, ça venait de chez Apple. Alors on n'a pas la garantie que ça vienne de chez Apple, mais c'est vrai que c'est quand même assez troublant quand même. On reviendra sur ces rumeurs tout à l'heure. Alors je crois bien qu'il s'agit de la patronne des Apple Store. Il y a une culture de... C'est celle qui vient de chez Burberry. Voilà, du luxe, effectivement. Et d'ailleurs, c'est rigolo qu'une la patronne de Burberry se retrouve comme ça, la patronne des Apple Store, mais parce que Tim Cook veut justement, c'est peut-être aussi l'empreinte ADN de cette marque Apple, d'avoir toujours des écrins pour pouvoir commercialiser ses produits. On le voit, tous les Apple Store sont plus beaux les uns que les autres. D'ailleurs, les Champs-Élysées vont accueillir l'année prochaine un nouvel Apple Store qui s'annonce là encore sublime sur plusieurs étages, etc. D'ailleurs, ce sera le siège français aussi d'Apple. C'est Angela Arendt qui effectivement a commencé à relooker les Apple Store, l'un des premiers du genre étant celui de San Francisco. Qu'on a visité, j'ai visité quelques semaines de cela, et c'est vrai qu'il y a une espèce de vision totalement différente des Apple Store qu'on avait auparavant. Il est très intéressant celui de San Francisco, vous avez donc évidemment, il est très ouvert. Il est impressionnant, avec ses grandes baies vitrées. Une porte vitrée qui fait 14-17 mètres de haut, je crois. Et vous prenez un escalier, et là vous arrivez dans une espèce de grande salle où vous pouvez vous installer, boire un café, avoir du Wi-Fi gratuit, manipuler les appareils et même travailler, en fait. Vous avez un petit jardin sur le côté pour, là aussi, boire un coup. C'est vraiment... alors c'est un endroit où on peut acheter des produits, bien évidemment. Oui, mais il y a aussi des espaces de rencontre, de formation. Exactement, c'est aussi un endroit où on peut se retrouver entre amis pour passer du bon temps. Oui, on se rappelle qu'en France, dans un Apple Store, il y a une personne qui avait joué à la pétanque. Oui. Vous vous rappelez, c'est vrai. Il avait mal visé d'ailleurs, il avait visé que les iPhones. Il n'était pas très doué. Ah, oui, oui, c'était à Lyon, je crois. C'était à Dijon. À Dijon, pardon. L'Apple Store de Dijon. C'est vrai que tu es de là-bas, excuse-moi. Pardon. Mais ça a été bien à la région. Bien. Ouais. Ça dit, rien n'est laissé au hasard, et dans les Apple Store, les nouveaux, en tout cas, il y a également, vous avez remarqué, cet espace un petit peu en background, en arrière-plan, avec des salles de réunion hyper design qu'on a pu visiter aussi. Alors là, il y en a une à Paris, à Odéon, qui est sur ce modèle. Là. Et c'est notamment pour accueillir les professionnels, parce qu'Apple continue malgré tout de courtiser les pros, même si c'est pas là où il est le plus fort, c'est pas sur le marché pro qu'Apple est le plus fort, mais en permanence ils essayent malgré tout d'intéresser les entreprises, et donc il faut pouvoir les accueillir et les évangéliser. Et alors c'est dingue parce que les Apple Store, ils en ouvrent, mais j'allais dire tous les jours, non, mais toutes les semaines, il y a un nouvel Apple Store qui ouvre dans le monde. Il y a une volonté de conquête pour Apple avec ses magasins, c'est incroyable. La Chine est... Il n'y en avait encore qu'un seul, il y a 5 ou 6 ans. Oui, en France. Oui. Là, maintenant, on en a une bonne dizaine, je toutes pense. Toutes les villes, grandes villes et les villes moyennes françaises. Ouais. Et puis, il y a la Chine, c'est ce que je disais. Maintenant, dans toutes les grandes villes de Chine, et Dieu sait s'il y en a un paquet, Apple s'investit et ouvre des Apple Store.
Bah, c'est vraiment la vitrine. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire à l'Apple Store. Il y a aussi des formations pour les jeunes, avec le, puisqu'il y a tout un programme d'apprentissage du code. Hein, mais ça va même plus loin que ça, apprentissage du code pour les enfants, tu as raison. Mais par exemple, pendant les vacances scolaires, on peut vous apprendre à vous servir de certains logiciels sur l'iPad, ou à faire de belles photos, etc. Et ce sont des formations qui, pour la plupart, en plus, sont gratuites. Mais c'est là où Apple aussi a une avance, finalement, dans ce qu'on appelle le retail. Pas seulement dans l'innovation technologique, mais dans tout ce qui va autour, dans la manière de vendre ses produits. Et ça, effectivement, ils ont innové énormément en inventant ce genre d'espace. Et les autres d'autres marques sont très intéressées, regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Hein. Alors bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, hein, ce n'est pas des philanthropes hein, chez Apple. Hein. S'ils font venir des enfants manipuler des iPads et des iPhones, c'est pour qu'un jour après, ils craquent et ils en achètent, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est une manière comme une autre aussi d'appâter le chaland. Ah bah, c'est du commerce, mon bon monsieur. Hein. Il est 7h15, vous nous rejoignez peut-être sur 01net TV, à la fois sur 01net.com, sur YouTube, mais aussi sur les box SFR. Et c'est une première cette année. Peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur les box SFR. Faites-nous un petit coucou d'ailleurs avec le hashtag 01live sur Twitter. Si vous nous regardez sur les box SFR, ça nous fera plaisir de vous lire. Bon, toujours pas de nouvel iPhone. Hein. Toujours pas. Autant vous le dire. Alors attendez, ça fait 16 minutes que ça a commencé, hein, Jérôme. Il faut... Voilà, oui, mais en route. Bon, voilà. Voilà, pour l'instant, tu précise, sais. Pour les impatients. Voilà, et puis pour tous ceux qui découvrent les keynote Apple, les keynote Apple sont très codifiés. Vous avez une première partie où Tim Cook raconte un petit peu comment va la société, combien ils ont vendu d'iPhone et d'iPad, les nouveaux magasins, etc. Voilà, il y a une partie un peu, on va dire, corporate, et après, on rentre dans le vif du sujet où là, on découvre les nouveaux produits. Et croyez-moi, des nouveaux produits. On va en avoir pas mal, si tout va bien, ce soir. Et pas que des iPhones, hein, les amis. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend, si on faisait un petit récap? Donc, a priori, on parle de 3 iPhones, c'est ça? iPhone 8, ouais. iPhone 8S et iPhone X édition. X, donc, X ou 10? X, 10, enfin, on verra. On verra. Et puis peut-être une nouvelle Watch? Alors, l'Apple Watch 3, Apple Watch, avec de la 4G intégrée. Avec de la 4G première. Intégrée, c'est-à-dire que cet Apple Watch serait pour, et c'est une première, autonome. On n'aurait pas besoin d'avoir le téléphone dans la poche pour peut-être passer un coup de fil, peut-être écouter de la musique en streaming, Dieu sait quoi. Mais c'est vrai que c'est ce que beaucoup reprochaient à l'Apple Watch, qu'elle était tout le temps avec un fil à la patte avec le smartphone. C'est surtout, ça vaut surtout le cas quand on fait du sport. Hein, parce que quand tu fais du sport, tu n'as peut-être pas envie d'avoir ton téléphone, surtout si tu as un... Surtout que s'il est comme ça. Voilà, la montre suffit. Donc là, évidemment, elle serait 4G. Après, il y a plein d'interrogations. Moi, une montre 4G, je me demande ce que ça va donner en termes d'autonomie. Parce qu'on sait que la 4G, c'est une source de consommation d'énergie importante. Donc est-ce qu'Apple a réussi à pallier à ce problème? Si on prend l'exemple de la Huawei Watch 2 qui a de la 4G intégrée, moi, je l'ai utilisé quelques jours et j'ai pas remarqué une autonomie spécialement plus faible qu'avec le premier modèle. Je pense que ça passe surtout par une gestion intelligente de la connectivité 4G qui n'est pas active en permanence. Et j'étais assez surpris, en fait. Donc, finalement, le défi n'est pas si grand que ça. Ouais. Bon, on est toujours sur le sujet des Apple Store. Donc là, effectivement, on zappe un petit peu. On attend avec impatience les annonces de produits. On a notre... Alors attends, juste une chose. Oui. Parce qu'on disait donc nouvelle Apple Watch. Mais ça, à part les iPhones, on doit aussi avoir un nouvel Apple TV. Et mine de rien, c'est pas anodin. Hein, parce que si on a un nouvel Apple TV, il sera compatible 4K. Ah ben ça y est, on va parler de la Watch. Voilà, et la ultra haute définition qui arrive chez Apple, il était temps. Hein. Là, franchement, ça va être des bons derniers quand même. Hein. Et juste très brièvement, un iPod Touch 7e génération aussi, même si on sait que les baladeurs audio... On pourrait avoir un iPod... Oui. D'accord. On en parle. Tiens, moi je pensais que les iPod Touch étaient terminés, mais... On écoute Tim Cook 2 secondes. Allez, là on parle des Watch. On va voir si les rumeurs s'avéraient exactes, parce qu'on va voir une Apple Watch 4G. Since the launch of the Series 2, the Apple Watch has experienced phenomenal growth. In fact, last quarter, Apple Watch grew over 50% compared to the previous year. This is incredible. Now, last year, we told you that the Apple Watch had already become the number 2 watch in the world. Today, I'm thrilled to tell you the Apple Watch is now the number 1 watch in the world. Apple Watch
La number one, number watch one des in montres. The world. Devant Rolex. Mais alors quoi, en volume? Ah. Ou en valeur? Ou en valeur. On a dit c'est en valeur. We have an industry-leading customer satisfaction rate of 97%. This is worldwide. Ça peut être en volume. Plutôt en volume, parce que c'était que Rolex en premier. On a dit Rolex, c'est pas la plus vendue. Par contre, celle qui rapporte le plus. Rolex a beaucoup plus de modèles. Non, mais c'est en valeur, c'est pas en volume. Oui, c'est en valeur. C'est non, parce que t'as dit volume, mon grand. C'est pour ça. Mais ça peut être en valeur aussi. Ça peut être non, en volume. Je pense que ça peut être en volume. Sur un modèle qui s'appelle Apple Watch, les volumes peuvent être bien plus importants que sur un modèle de Rolex, par exemple. Ouais. Un modèle de Casio. Bon, écoutez, si vous avez la réponse, si Tim, en même temps qu'il est sur sa keynote, peut nous regarder et nous dire, ça serait pas mal. Parce que là, on manque un petit peu d'informations. Querida Apple. Привет, Apple. Dear Tim. 尊敬的 Apple 公司. Hello, Mr. Cook. Вам пишет киборг из России. I know you may never read this, but I just wanted to put it out there. I live in Massachusetts. I'm a country boy from small town Mississippi. I'm a two-time Olympian. He was from Bailadino. Ça, c'est le côté Apple à l'écoute de ses utilisateurs, de ses clients, qui ont forcément de bonnes idées. Every day for the last 2.5 years, I have worn this tiny computer on my wrist. This is the first time I've worn a watch since my bar mitzvah. I was a scrawny, sports-hating kid who never really liked being active. I was coming back from a knee surgery. While I was never fat, I was the proud owner of a dad bod. I fell into a deep depression and weighed 250 pounds. Теперь каждый день я стремлюсь закрыть все кольца активности. Now I get up at 5 a.m. If it's 5 minutes to midnight, I'll do push-ups in my bedroom. I'll take the dog out for a really quick walk around the block. I walk around the house and my family thinks I'm a little crazy. I dutifully oblige when the Apple Watch reminds me to stand up every hour. The Apple Watch, я становлюсь лучшей версией себя. I ran my first Spartan race in December and ran a full marathon in February. Agora eu consigo checar enquanto meu corpo está respondendo a múltiplos ensaios. 至今, Apple Watch 在我跑步时给了我很多的帮助与支持. Dear Mr. Cook, our daughter was recently diagnosed with type 1 diabetes. My car rolled over 3 times and my phone landed far out of my reach. Once I collected my thoughts, I remembered my Apple Watch had the SOS feature. After being rushed to the emergency room, I was diagnosed with a condition that was causing my liver, kidneys, and heart to start shutting down. The integration of her glucose monitor with the Apple Watch lets us make sure her blood sugars don't go to dangerously low levels. For 6 minutes, I hung there in my car talking to a dispatcher until help arrived. Had I not been wearing my Apple Watch, I never would have sought medical attention, which in turn saved my life. Sincerely, Paul. Thank you so much for creating something that does not make me feel old. Thanks for listening. Avi, sincerely, Stuart. All the best, Kara. Sincerely, Avi. Jill. Casey. С благодарностью, Дмитрий. Muito obrigado, Giovanni. Voilà, alors un peu le coutumier de ces petits films. Voilà, qui sont des odes hein, à leurs produits, bien sûr. C'est le cas de l'Apple Watch. Those stories are so moving, and there's really no words to describe what it feels like to receive these notes. I'd like to thank everybody in the video for sharing their personal experience with all of us. Now, we have some great news about the future of Apple Watch, and to share it with you, I'd like to invite Jeff up. Jeff? Alors attention, je pense que là on va avoir l'annonce de la nouvelle Apple Watch. Thanks, Tim. Those stories are really great, and it's really inspiring to us that so many people are getting healthier with Apple Watch. And with watchOS 4, they're going to be able to do even more. We're adding smart activity coaching, which is going to help more people close more rings more often. A completely redesigned workout app with high-intensity interval training. New features for swimmers like auto sets and gym kit, an industry first. It's really simple. You just tap your watch on a machine, get going, and all your metrics are in sync. One of the things that enables these fitness features is the Apple heart rate sensor. And it's been at the core of Apple Watch since the very beginning. Les capteurs, today, de la watch, les capteurs, it's the most used heart rate monitor in the world.
qui fonctionne en permanence quand on porte l'Apple Watch. So we're doing three things. First, we're making enhancements to the heart rate app to give you more information. Now, you'll see your heart rate right on the watch face, so you can keep an eye on it with just a raise of the wrist. And when you launch the heart rate app, you'll see new measurements, like resting heart rate. Apple Watch calculates this daily by correlating background heart rate readings with accelerometer data. And recovery heart rate, which tells you how quickly your heart rate drops after workout. La Watch enverra une notification quand il détectera un rythme cardiaque élevé, alors qu'il n'y a pas de raison. Attention, crise cardiaque. Enfin, je ne suis pas médecin, mais je pense que le rythme cardiaque élevé n'est pas le seul signe précurseur de la crise cardiaque. Oui, il y en a d'autres. Si on t'envoie une notification, ça sent clairement. La Watch suivra aussi la régularité des battements du cœur, qui là, cette fois, peut prévenir plus efficacement les crises cardiaques. Les arythmies. Ouais. Apple Watch will notify you when it detects an elevated heart rate. Je pense que tu as entendu Jérôme, mais il a ajouté ce petit détail, tu vois. Oui, absolument. J'ai entendu ta remarque. And the third thing we're doing is focused on heart rhythm. A regular heart rhythm has a familiar pattern, but when your heart beats irregularly, it's called an arrhythmia. Bienvenue à ce congrès médical de Cupertino, bien sûr. Le cardiologue Mr. Spoons, Mr. Jeff Williams, est en train de nous faire un cours sur l'arythmie cardiaque. And it affects tens of millions of people and is a leading cause of stroke. But the challenge is, many people with AFib don't feel symptoms, so it often goes undiagnosed. C'est-à-dire, ça c'est un truc génial. Hein. C'est un concept génial sur lequel même des startups qui travaillent depuis pas mal de temps. Le fait de pouvoir surveiller, parce que la crise cardiaque, on le voit arriver en réalité. Personne ne le sent pas vraiment, il y a des signes avant que. Bien sûr. It will use data from Apple Watch. And it will analyze arrhythmias, including AFib. Je pense qu'on va avoir une arythmie cardiaque au moment du prix. Oui, c'est ça. Ce sera intéressant de traquer. Celui qui a une Apple Watch va recevoir une notification en disant « Va vite sur un défibrillateur, mon pote. » La première phase de l'Apple Heart Study sera disponible dans les US sur l'App Store. Ce sont les updates focused on fitness and health, and they join the other great features of WatchOS 4. We have a completely redesigned music experience, an intelligent Siri face, fun new characters from Toy Story, and more. So that's WatchOS 4. It will be available to all Apple Watch customers on September 19th. Donc, nouveau WatchOS. Mais mine de rien, enfin, le fait qu'on puisse détecter comme ça des arythmies, c'est complètement révolutionnaire. Bien sûr. Hein. Enfin, et voici la nouvelle Apple Watch. Bon, déjà, elle doit être étanche, parce qu'avec toute l'eau qu'il y a là, elle a intérêt à l'être. Voilà, si vous venez de nous rejoindre sur Zeronet TV, on découvre le fil publicitaire de la nouvelle Apple Watch qui va être annoncée là à l'instant. Ah. Et donc, effectivement, si okay. On peut décrocher alors qu'on est en train de faire du surf, c'est qu'on n'a pas son iPhone, les gars. Voilà, donc ça se confirme. Le remontoir rouge qu'on a déjà vu dans des fuites. Et avec la possibilité de prendre des appels, ce qui signifie que cette Apple Watch est 4G. Il y aurait de la 4G dans la Watch. And it has cellular built in. Et ben voilà. Donc, elle a une connexion cellulaire. La vraie question, est-ce qu'on met une nano SIM dans la montre ou est-ce qu'on a une virtuelle SIM? Une virtuelle SIM. Sûr qu'on a une SIM, ça s'appelle une SIM. Oui, qui est un rêve d'Apple depuis très longtemps, oui. Hein, qu'ils essayent de fourguer dans les smartphones, ils ne sont jamais arrivés jusqu'à présent. Parce que les opérateurs, évidemment, ne sont pas très favorables. Now, you can go for a run with just your watch and still be connected. You can leave your phone when you go to the beach or just run a quick errand. And it's really nice to know you can be reached if needed while staying in the moment. You can receive an important call with just your watch. And the number is the same number as your iPhone. You don't have to manage a separate number. The apps you rely on, like Messages, just work,
and Siri's at your beck and call anytime, anywhere. You can use maps and get directions, and the location for Find My Friend automatically switches to your watch when you're away from your phone. And third-party apps like WeChat work over cellular as well. And coming next month, cellular is going to change the way we listen to music. Because with Apple Watch Series 3, ah, pas mal. Ils seront compatibles avec les AirPods, forcément. Logique, question de tous. Oui, mais alors, question d'autonomie de... Alors, Apple Music sera disponible donc en streaming sur la montre, visiblement. Et ça, c'est vraiment pour les sportifs, ça va être quelque chose de très sympa. Il faut savoir que c'était le point de départ en fait, d'Apple quand ils ont sorti la première Apple Watch. Ils avaient déjà dans l'objectif de sortir très vite une montre totalement autonome et connectée en 4G. On imagine que très vite Spotify, Deezer et les autres services de streaming vont pouvoir accéder à un kit de développement qui permettra de faire la même chose. En tout cas, on l'espère. C'est pas mal. Maintenant, il faut voir comment les opérateurs vont jouer le jeu. Est-ce que c'est une carte SIM jumelle à son forfait principal ou est-ce que c'est un autre abonnement directement associé à la montre ? Ça, ça va être très intéressant de poser la question aux opérateurs, en effet. Parce que ça sera une petite option, opéra en plus. Ce qui veut dire aussi qu'on pourrait abonnement d'opérateurs où pour 5 euros de plus par mois, tu as une deuxième SIM. Et en fait, ça pompe sur ton forfait principal. J'imagine qu'on s'oriente plutôt vers ce modèle-là, parce que la gestion de deux lignes est quand même assez compliquée. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que les opérateurs vont finalement vendre des forfaits avec la montre qui serait, elle, subventionnée. Ah oui, on demanderait un produit comme un téléphone, en fait. Ouais. Ça m'étonnerait. De la part d'Apple, ça m'étonnerait. Mais bon, ils offrent le monde comme ça. C'est déjà le cas avec les iPhones. Attendez, les amis, tiens, on va voir le prix. À votre avis, combien va coûter cette montre-là ? On va s'amuser un peu, vous savez, on est un peu 540. On va s'amuser avec les prix. Cette Apple Watch 4G, combien ? Alors, Christopher, tu dis 549. Tu dis 549, c'est cher. Comme ça, là, tu sors ça de ton chapeau. 5,49 à ma droite. Oui, mais je pense qu'il est dans, le vrai, Christopher. Ouais, ouais, je vais dire 650. 650. Ouais, je pense que je serais resté aussi autour de 500 euros environ. D'accord. Bon, moi, il faut que je me démarque. Alors. Je veux dire 4,99. Allez. Ouais. En dollars, hein. Là, on parle en dollars, hein, les amis. Je pense qu'il va y avoir plusieurs versions en plus, de toute façon. Donc, le petit point rouge, c'est pour dire qu'elle est 4G, c'est ça ? Exactement. Il se dit aussi que l'antenne 4G serait dans le remontoir. Ah oui. Ah ouais. Alors, les prix, ça y va, hein, sur l'antenne. 349, nous dit Gamon. Tellement vite, on n'arrive pas à lire. Non, l'antenne est sous l'écran, là. On a 400. L'antenne est sous l'écran. L'antenne est sous l'écran, apparemment. Et, bien sûr, vous avez une SIM card, mais même une nano-SIM serait trop grande. Donc, nous avons intégré une SIM électronique. Ah, voilà, ce sera donc une eSIM. eSIM. D'accord. Donc, ici, où nous avons fini. Même avec toutes ces nouvelles features, faster dual-core processor, W2, altimeter, all the stuff you've got to put in for cellular, the case for Series 3 is the same size as Series 2. Wow. Donc, même taille de montre avec la 4G en plus. Ça, c'est fort quand même, hein, parce que les précédentes montres des autres constructeurs qu'on avait pu voir auparavant, il y avait une différence malgré tout, hein, de graisseur. Hein, ce qui veut dire qu'à priori, la montre Bluetooth. La batterie est de la même taille, mais là où c'est une prouesse, c'est qu'il ne suffit pas juste de rentrer une eSIM, il faut aussi rentrer le chip qui gère l'antenne sur 4G. Bon, ça se déchaîne sur les paris des prix, là, hein, sur YouTube. Hein, alors là... ça va de 4999 à 999, à 4,99 aussi, 5,99. On va voir. This watch is connected over the AT&T cellular network. This is our new Explorer face. And I'm going to tap on the phone app. And I'm going to call Deidre, who's a colleague on the watch team. Ah, donc c'est pas la première montre, hein, si on le rappelle, il y a... Même de regarder l'heure. Non mais attends, Jérôme, mais ça téléphoner avec une montre, c'est pas terrible. Hein. Attends, même si moi je le fais de temps en temps. Il va nous faire une démo. Hi, Deidre. Hey, I'm calling you from the new Steve Jobs Theater. How are you doing? Je suis sous la douche. Je m'attendais pas du tout à ce que tu m'appelles. Dis donc. Ça alors, quelle surprise, comment vas-tu? Ah, elle fait du paddle au milieu de l'eau. Wow, ah, la classe. Tu vois, j'avais dit la douche, j'étais pas loin. I'm a team player.
Yeah, that's you, Deidre. Give, give, give. Well, elle est hyper à l'aise sur son pad. Elle a fait ça toute sa vie. Hein. C'est ça. En fait, il y a quatre ingénieurs d'Apple dessous qui la tiennent pour pas qu'elle ne me moque pas. J'ai essayé cet été. C'est une catastrophe. C'est très difficile, le pad. Non, c'est vrai. I should probably cut it off before something goes awry, but be safe. Donc c'est out there un e-paddle, c'est ça? C'est ça, paddle connecté. My pleasure, I may stay here a few more days. Yeah, okay, that sounds great, DJ. Mais Jérôme, je suis en train de me... Je me demande, ça sert à quoi d'avoir un smartphone si la montre est connectée, si tu as pratiquement toutes les fonctionnalités? C'est ce que j'allais dire, vous m'avez coupé, mais est-ce qu'on pourra acheter la montre sans acheter de téléphone? En l'occurrence, sans acheter d'iPhone ou même sans acheter de téléphone. D'où la question, comment les opérateurs vont jouer ce produit finalement? Bah, cela dit, regardez tes mails et jouer à Super Mario, c'est pas terrible. Sur la montre, c'est pas terrible. Facile. Alors juste pour faire un petit historique, Apple n'est évidemment pas le premier à sortir une montre 4G. Parmi les grands fabricants, on avait Huawei récemment avec la Huawei Watch 2. Samsung. Et LG aussi. Et c'est des concepts qui n'ont pas trop pris pour l'instant. Mais je pense que le fait qu'Apple sorte une montre 4G pourrait tirer vers le haut les ventes des autres modèles, parce que ça va les mettre en lumière. Sent over cellular coming in, and that's just darn close. Non, mais c'est que les montres sous Android sont un peu grosses. C'est quoi? Je pense que c'est vrai que ça m'intéresse si par exemple tu es au bureau, par exemple, tu laisses ton téléphone sur ton bureau, tu t'en vas. Ça faut pas faire ça. Hein. Ici à 0 ans, il n'y a pas de problème. Mais et s'éloigner, si tu n'es par exemple, tu n'es plus à portée de ta Bluetooth, ça se coupe en fait. Et là, ça va marcher toujours parce que tu es en 4G, donc c'est pas mal. Gold aluminum finish along with silver and space gray. We're excited to introduce a new band we call the Sport Loop. It's designed for an athlete. Il me fait un peu languir avec ses nouveaux bracelets, ses nouveaux bracelets ou différents. Balance le prix, Jeff, s'il te plaît. Il y a Yoni sur Twitter qui nous dit c'est quand même c'est génial, si on est emporté par les courants, on pourra appeler au secours en se baignant. Oui. Il y a une fonction SOS en plus sur la voiture depuis le début. Une cellule 4G quand même. Il ne faut pas être emporté non plus trop loin au large. Et puis à mon avis, sous l'eau, la 4G, ça passe pas bien. On testera. Some beautiful new bands, like the one on the left that's inspired by the classic Hermès driving glove. L'interrogation, c'est l'autonomie, hein, quand même. Hein. Pour l'instant, ils n'en parlent pas beaucoup. Hein. This year, we're adding a ceramic watch in a gorgeous gray finish. All of these watches were built with a great deal of care, as well as a concern for the environment, and they're free of these harmful materials. So, bon, c'est bon, elle n'a pas tué la planète en plus, donc ça c'est bien. GPS, swim proof, 70% faster dual core processor, barometric altimeter, all the features of WatchOS 4. Ah, all day battery, donc ça veut dire que la batterie tiendrait une journée. Ce qui serait quand même une petite performance. Après, il faut voir vivement qu'on puisse la recevoir et la tester. C'est le cas aussi de... Alors voilà les prix, attendez les amis. Oh là, on était... 329 et 3,99. On a été mauvaise langue, on avait tapé beaucoup plus haut. 399 pour le modèle 4G. Ouais, donc un prix en baisse aussi. Alors c'est quoi la 329 au milieu? C'est la série 3 mais sans 4G? Exactement. C'est bon, parce qu'il y avait une série 3, il y a une série 3 qui sort sans 4G. C'est ça, série 3 avec 4G, et la série 1, et une baisse de prix. Et elle sera disponible en France, les amis, et avec l'opérateur Orange en France, pour débuter, parce que je pense qu'après les autres, l'auront aussi. We are offering the Series 3 without cellular in these 26 countries at launch. Ça, mine de rien, c'est une performance industrielle de sortir un produit comme ça dans des tas de pays en même temps. C'est pas facile à faire. Voilà, cet Apple Watch 4G, septembre. On pourra la précommander à partir du 15 et on pourra aller la chercher dans les magasins à partir du 22. On voit que les délais là sont très courts, hein. Le 22 c'est dans 10 jours. Et on murmure aussi que l'iPhone pourra avoir ce calendrier-là. Hein. Réservation 15, disponibilité le 22.
qui revient sur scène. En tout cas, si vous venez nous rejoindre 19h40, vous êtes sur Zeronet TV, vous pouvez nous voir sur Zeronet.com, sur YouTube, sur les box SFR. Pour cette première fois, on est très heureux de ce partenariat avec SFR. Vous pouvez tout simplement nous regarder sur les box. J'ai pas mal de questions sur Twitter, oui, effectivement. Sur comment, moi j'ai une box SFR, comment je peux retrouver ce live? Alors ça ne marche que sur les box SFR numéricables, hein, Christopher, ça c'est la première chose. Il y en a beaucoup, on a plus d'un million hein, qui sont en service. Et en fait, vous allumez votre box, vous avez la home page de la box qui apparaît, vous avez là à ce moment-là la petite vignette, suivez la keynote avec Zeronet TV, vous cliquez dessus et vous avez le live qui apparaît. Tout simplement. C'est pas génial. Plus compliqué que ça. Nous avons notre autre invité qui est avec nous depuis le début de la keynote, Milan Boigard de GoGlasses.fr pour parler tout à l'heure de réalité augmentée. Mais Milan, je crois que vous êtes de toute façon assez Apple addict. Bien geek comme il faut. Votre réaction... appelle un fanboy tout simplement. Ouais. Votre réaction sur la Watch? Bah, sur la Watch, ce qui était effectivement intéressant, c'est qu'au final, on l'attendait, ce côté justement 4G. Après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir au niveau des usages, en fait, quelque chose qui est vraiment axé sur le sport et sur la médecine, sur les appels en soi, après avoir effectivement si on a envie de se promener dans la rue et de crier bien fort. Ouais. Au final, c'est peut-être quelque chose qui peut se faire. Au début, on n'y croyait pas forcément avec les écouteurs dans la rue. Ça a fini par se faire entrer dans les usages, donc à voir comment Mais ça... Les usages seront peut-être plus data, effectivement, que appel téléphonique. Hein. Effectivement. Pour la musique, puisqu'on rappelle qu'il y aura Apple Music en streaming. Voilà. Alors, Apple on passe TV, à Apple TV maintenant. Apple voilà. TV. Donc là, c'est crescendo. Hein. Apple TV, donc Apple Watch, 399 euros. Ça se passe comme on le prévoyait, hein, finalement. Elle a été confirmée, cette Apple Watch 4G. Et là, on passe à l'Apple TV. Et après, sans doute, les iPhones. This Emmy was in recognition for how Siri makes it so easy to search, discover and interact with your TV content. Siri dans l'Apple TV, c'est vrai que c'est assez pratique. C'est vrai, tu t'en sers? Alors moi je me sers beaucoup de l'Apple TV, ouais, et de Siri, c'est génial, mais pas beaucoup de Siri en fait. Bah oui, parce que le problème c'est qu'il est limité aux applications Apple. Si tu lui dis recherche un film, il va le rechercher sur iTunes, mais il peut difficilement, il va pas le rechercher sur Netflix ou sur OCS. Je pensais que ça marchait sur Netflix. It took a huge step forward with the advent of HD. C'est amusant d'avoir cette petite télécommande avec un micro intérieur. La télécommande d'ailleurs qui a une ergonomie un peu, moi je trouve pas terrible. Je trouve qu'elle se réveille très vite. Elle se réveille très vite. Parfois ouais. Tu poses la pause comme ça. Voilà, oui, c'est un peu bizarre. Elle est trop sensible. Ouais. Cette télécommande. Enfin, elle est quand même plus sympa que les télécommandes classiques avec 12 000 boutons. On a Lutanolux, il nous dit je cuisine en même temps que je vous regarde et je viens de laisser brûler mes aiguillettes de canard. Bah non, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir alors? Moi qui avais envie de manger des aiguillettes de canard après le live, c'est un peu embêtant. Apple TV 4K. Et voici l'Apple TV 4K. Encore une info qu'on attendait. Bah on le savait. Et qu'on a pu lire sur Zeronet.com. Zeronet vous l'a dit avant tout le monde. Bah, c'est juste de la pure logique. Ouais. Bah, oui, c'est aujourd'hui, avoir un device comme ça qui ne soit pas compatible 4K, Ultra HD, c'était pas cohérent, c'était un vrai problème. Alors même si le taux d'équipement en téléviseur 4K, notamment en France, c'est quand même encore... Il y a une Coupe du Monde l'année prochaine. Ça commence à grossir, il y a beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui même, tu achètes une télé à 500-600 euros, elle est 4K. Oui, mais je ne t'apprendrai pas que le marché de la télé est en berne. Oui, les ventes de télé sont en chute. C'est donc on n'en achète pas beaucoup de téléviseurs. Il y a une Coupe du Monde de foot en juin. Oui, oui, bien sûr. Je pense que la partie du parc qui va se renouveler va l'être uniquement, grande majorité avec 4K. Ah oui, ça, acheter une télé dans 6 mois ou dans un an et acheter une télé pas 4K, ce serait un péché. Donc HDR, bien sûr. Nous expliquera tout à l'heure, mais c'est le High Dynamic Range, vous savez, pour la télé 4K, ça améliore la qualité d'image. En fait, c'est la 4K, mais c'est mieux que la 4K, c'est ça. Hein. Voilà, c'est encore mieux que la 4K. C'est pas du tout marketing. Si tu veux, ça pousse les couleurs, le contraste, oui, oui. Enfin, c'est plus mieux, quoi. Plus mieux que mieux. C'est plus mieux que meilleur. Ouais. Après, il faut qu'il y ait des sources qui suivent hein, derrière. Il faut une bonne connexion Internet, il faut des bons diffuseurs. Dolby 4K HDR cinema projector in the theater. So let's dim the lights and let me show you. On a Max sur Twitter qui nous demande qu'est-ce que vous attendez le plus chez 01net.
Avec le hashtag 01 live. L'iPhone 10. À votre avis. Eh oui. L'iPhone 10, c'est ça qu'on attend. Alors regardez, regardez. Ça, c'est ce que je vois le plus souvent. J'ai l'impression d'être chez moi là. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vois le plus souvent. Mais moi, j'adore cette fenêtre. C'est très joli. Tellement beau. Ouais, ouais, c'est l'économiseur, enfin le. Voilà, quand l'économiseur d'écran, quand on sait que c'est pas la télé allumée. Il y avait de ta fenêtre. Mais là, en fait, c'est un drone qui passe dans la. Passe à ta fenêtre. C'est ce que je vois de chez moi. Celle-ci, c'est à Dubaï, mais il y a des vues aériennes magnifiques de Londres, de Paris, là, de Dubaï. Mais alors attends, t'imagines, c'est screensaver maintenant en 4K. Jérôme passe pendant une heure, il est là. Je passe mes soirées à regarder Dubaï, c'est ça. Regarde chérie comme c'est beau. Et ça fait pas si bien dire. Mais tu peux pas choisir. Tu peux pas choisir de voir tel ou tel pays. C'est l'Apple TV qui choisit. Dommage. Mais cela dit, c'est amusant parce que moi, je me souviens très bien de la présentation de cette génération d'Apple TV où les responsables d'Apple... Excuse-moi, je te coupe, mais oui, je crois qu'on a une démo d'un jeu en 4K, là, qui va arriver. Mais vas-y, poursuis. Ouais. Non, mais c'était l'une des premières choses que mettaient en avant les responsables d'Apple quand cet Apple TV est sorti. Et je trouvais ça un peu absurde de parler d'économiseur d'écran tourné avec des drones. Et en fait, d'abord, c'est magnifique. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on les a très souvent sous le nez. Donc finalement, ça a pris de l'importance. On a de très jolies vues aussi avec le Chromecast de Google. Wow, you're the Avenger. C'est vrai. Oui, mais alors ce sont des photos. Alors que là, c'est vrai que sur la plateforme, c'est des vidéos. Oui, oui. Ouais. C'est vrai. Et bientôt, on fera un bench des économiseurs d'écran sur... C'est ça. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est un extrait de film en 4K, quoi. C'est du... Ouais, il y a des chances pour que ce soit ça, en effet. Ça veut dire que, en fait, toute la chaîne de l'image va être bouleversée chez Apple, qui aujourd'hui ne propose pas de 4K, donc là, il faudra qu'iTunes soit compatible. Compatible. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que le film 4K va coûter plus cher que la version Full HD? Il faudrait pas aussi. On a un petit temps d'avance, Pierre Fontaine à l'info, il vient de la donner sur le dossier. Ah. Tous les films seront disponibles en 4K au même prix que la Full HD. Et ben voilà. Ça, c'est une super nouvelle. La réponse à ta question, ouais, c'est une super nouvelle, mais je trouve que c'est quand même cher. C'est quand même cher. Non, parce que vous louez un film... En fait, François Sorel voulait une baisse des prix, plus de qualité, mais moins cher. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est pas la faute d'Apple, je pense que c'est la faute des éditeurs, mais vous louez un film, c'est 5€ ou 4,99€ pour louer un film. Il vous appartient même pas. Et si vous l'achetez, c'est 20€. Je trouve que c'est trop cher. Surtout quand on commence à goûter à Netflix et cette notion d'abondance de Netflix, je trouve que c'est cher. Il faut voir, t'achètes un film 20€ que tu vas plus jamais revoir, qui va traîner dans ton tiroir. Non, mais François a raison, il parle pas d'achat. C'est pas l'achat contre la location. Comparé à l'achat d'un DVD ou d'un Blu-ray. Ah non, mais plus personne parle d'achat de DVD. Moi, je trouve que c'est chiant. Voilà. Mais bon. C'est plutôt une bonne nouvelle que ça n'augmente pas en tout cas. Moi je pense qu'il faudrait juste arrêter de regarder des films. Louer des films en SD, ça n'a aucun sens. Non. Enfin, sauf si t'as une vieille télé. Et... Bon, à la rigueur, si on a une vieille télé, le service de streaming downgrade en SD, mais ouais. Ça devrait être la norme maintenant la HD. Alors évidemment, Netflix sera compatible en 4K, ce qui est logique, hein, puisque Netflix propose de la 4K depuis un moment. Alors attendez, parce que d'après ce que dit Pierre, donc il y a une application TV. Ça veut dire quoi? C'est un tuner? C'est un peu l'application qui c'est comme Molotov. C'est comme, c'est comme Molotov TV. On a accès à tout le catalogue de Netflix et des autres services. Et l'application, c'est un seul endroit. Plutôt intéressant aussi. Donc l'application TV et qui sera disponible en France. Et qui permet de centraliser tout ce qui passe à la télé. Bon, voilà, la télé est disponible en France, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Un prix, on joue. Allez, moi, je dis 199. 149. Allez, 149, 199. Ouais, entre les deux. D'accord. Je suis pas un adepte de l'Apple TV, donc au final, ça serait difficile pour moi de me prononcer. C'est pas une réponse, ça. Il nous faut une réponse, nous. Ah non, ça va être trop compliqué là. On va avoir la réponse, la vraie, dans un instant. Alors, juste une chose intéressante, c'est que automatiquement, tous les films que vous avez déjà achetés en HD, on vous livrera une version 4K sans que vous ayez à payer quoi que ce soit en plus. Donc ça, c'est pas mal. Now let's take a look at those games. As you can see, we show you the score and the time remaining to help you decide which game to watch. En fait, mais alors ça va tuer Molotov en France, non? And aïe. If you're one of these people that doesn't like to know the score, you can turn the feature off. Now,
Là, il y a toujours plein de questions entre ce qui est annoncé, ce qui sera disponible réellement, parce qu'il y a tellement de paramètres, il faut que les chaînes soient d'accord, les ayants droit, est-ce que le replay sera disponible, est-ce que... The new TV app is available on your iPhone and iPad as well. If you own Apple, an iPad la or TV iPhone, app pour regarder la télé également disponible sur iPhone et iPad. You can now share your photos on the big screen, including live photo effects, 4K video memories. You can play from the over 40 million songs in Apple Music, including the music that your friends are listening to. And because Apple TV is always home, you get anywhere, anytime access to ça c'est l'application Home, voilà, pour nouvelle UX aussi. And of course, et nouvelle interface. Nouvelle interface. Thousands of games and apps on the App Store. And with the A10X Fusion chip, there's so much more that Apple TV can do. And to see what's possible, we'd love to show you a new game from that game company. They're known for making artistic and critically acclaimed games. As a matter of fact, their first game called Flower was chosen as the first video game ever to be in the permanent collection in the Smithsonian, which is very, very cool. So with that, I would love to welcome their CEO, Genova Chen. Thanks, Eddie. Allez, petite démo en direct. At that game company, we treat games as an art form. Today, many of us play games. C'est un jeu vidéo alone, sur Apple TV. Hein. But we believe c'est ça. Games is a ça s'appelle Sky. Medium to bring people together. Il faut savoir que le jeu sur l'Apple TV ne décolle pas. Il y a très peu de gens qui jouent en fait, avec l'Apple TV, tout simplement parce que la manette n'est pas faite pour ça, parce que les jeux ne sont pas exceptionnels, parce que les gens ne sont pas habitués. Les jeux, non, mais le fait est qu'il y a énormément de plateformes de jeux aujourd'hui. Bien sûr, mais tu pourrais dire, bah, tiens, bah, voilà, tu as un Apple TV, tu peux télécharger un jeu, y jouer, bah, finalement, ce n'est pas quelque chose que les gens font naturellement. Bah, c'est un peu comme sur les box télé, où il est possible de jouer sur certaines box, et ça ne s'est pas vraiment, vraiment développé. Mais est-ce qu'Apple va passer la vitesse supérieure en proposant peut-être des jeux un petit peu plus élaborés avec une ergonomie de manette un peu revue. Ça va être intéressant de voir ça aussi. Let's see what he has discovered. Compassion and generosity are key to unveil hidden areas of the world as well as growing your character. Alors on a Corito qui nous demande si on a déjà vu le nouvel iPhone ce soir. Ben non, Corito, peut-être qu'il vient nous rejoindre. On n'a pas encore vu le nouvel iPhone, il devrait pas tarder là. On a vu l'Apple Watch 4G. On a vu l'Apple TV 4K. J'ai un petit doute. Est-ce qu'on a vu la mention 4G sur l'Apple Watch? On a vu celui-là. On a vu celui-là. On a vu celui-là. Tu as raison. Peut-être pas 4G. Peut-être pas 4G. Tu as raison. C'est-à-dire quoi? Est-ce que juste 3G? Peut-être. Donc, ouais, peut-être pour des soucis d'optimisation de la consommation. Peut-être que la 3G consomme moins que la 4G, mais je suis même pas sûr. Non, c'est pas sûr. Tout simplement pour annoncer peut-être la 4G à la prochaine keynote en fait. Donc, l'Apple Watch 4, très logiquement. La 5G si c'est dans l'année prochaine peut-être pour sauter directement de la 3 à la 5G. We don't have time to show you everything, so we're gonna skip forward to the dark tempo ahead. Light and dark are important. Pendant que cette démo Sky, magnifique est faite à Cupertino. On ne sent pas très chaud là, mais c'est beau, c'est un très beau jeu. Oui, ça a l'air bien, ça a l'air bien, mais je voulais en profiter pour vous rappeler une chose importante, c'est que évidemment, dans quelques instants, on découvrira le nouvel iPhone. Ce nouvel iPhone, 01net et 01net TV vont vous l'offrir ce soir. Exactement. L'un d'entre vous, si vous jouez avec nous sur 01net.com et dans le dossier iPhone, vous répondez à la question qu'on vous pose, une question vraiment toute simple. Vraiment, on a été très gentil. Vous répondez à cette question, vous nous laissez vos coordonnées et si vous êtes tiré au sort, on vous offrira le nouvel iPhone, et attention, le nouvel iPhone édition, ou le X, on ne sait pas trop comment il va s'appeler, mais ce nouvel iPhone avec ce design de rupture, etc. Donc c'est un très beau cadeau que nous vous offrons. N'hésitez pas à aller sur 01net.com maintenant, ça vous prend 2 minutes. Vous répondez à la question, vous laissez vos coordonnées, vous laissez faire les choses. Tirage au sort quand ? Le 3 octobre. Franchement, ça vous prend quelques secondes, et peut-être que le hasard vous choisira le 3 octobre, alors, ça vaut vraiment le coup de tenter votre chance. C'est marrant, parce que vraiment, hein, vraiment, on ne connaît ni son nom, ni son prix, mais on s'est dit, on va l'offrir quand même. Voilà, c'est ça.
On n'est pas sûr qu'il soit bien. Oh, il y a des chances quand même pour qu'il soit bien. Vous nous direz, vous l'aurez peut-être avant nous finalement. Mais vous en connaissez beaucoup, vous, voilà, des chaînes comme ça qui vous offrent le nouvel iPhone alors qu'il n'est pas encore annoncé. Eh bien, nous, on vous l'offre. Alors attention, regardez, il y a les prix. Ta-dan. L'Apple TV 4K, ça, alors j'ai vu un 199. Ouais, non. Oui. Si, si. C'était 64 gigabits en fait. Il existe en plusieurs capacités de stockage. Hein. Et le 64 gigas était à 199, les gars. Qu'est-ce que je vous avais donné comme prix? Qu'est-ce que on se souvient 199. Plus. Voilà, combien ça. 199. Mais il y en a un moins cher. Donc l'Apple TV 4K sera disponible le 22 septembre à $239. Ah bon? Eh oui. Oui. Pourquoi j'ai vu 189? Je pense que c'est les Apple TV précédentes. Ah. Tu as pris tes désirs pour des réalités. $239. Ouh là là les amis, attention. Là, il faut... là ça chauffe. Allez. Bon, alors, on va garder notre calme. Hein? Faites sortir les enfants. Voilà. Ça va saigner. Tim Cook est en train de nous dire là qu'il va donc nous envoyer cet iPhone en priorité pour l'un d'entre vous qui allait le gagner. Has become so essential or put so much power into so many people's hands than iPhone. It's truly amazing how much iPhone impacts the world each and every day. Alors voilà, l'iPhone a révolutionné le monde entier, voire même d'autres planètes, hein, sans doute. Hein, et le futur aussi. Le futur, voilà. So powerful, so immersive and so magical that the hardware. C'est bizarre ces effets de style qu'il y a toujours dans ces keynotes. Alors, mais ça c'est très américain. Hein. Oui, mais bon. Même dans les maisons, tu arrives chez quelqu'un, oh, amazing, wonderful. The first iPhone. C'est vrai que on ne se rend pas compte à quel point il était tout petit ce premier iPhone par rapport au modèle qu'on a aujourd'hui. C'est l'un de nos premiers émois avec Jérôme, hein, ça, hein, le premier iPhone. Et oui, qu'on était allé acheter à New York en 2007, tous les deux, main dans la main. Enfin, main dans la main, on a des photos de ce moment. On avait une vidéo sur YouTube, n'allez pas la chercher. Une vidéo sur YouTube. On était comme des fous avec notre sachet. Et alors on a acheté un iPhone qui ne marchait pas en France. Hein. Oui, parce qu'il faut se rappeler que le premier iPhone qui était sorti aux US ne fonctionnait pas en France. Il était bloqué AT&T. Il y avait des jailbreaks qui existaient déjà, etc. Ça c'est l'iPhone 4 et le 4S. Et donc ils attaquent sur Siri. Sorti en 2010. Siri. Voilà, donc du coup, vous l'avez remarqué, fait un petit historique de l'iPhone. iPhone even revolutionized on parle de l'écran Retina, de iMessage, de FaceTime, de l'App Store aussi. With Touch ID and our wallets with Apple Touch ID. Siri qui ne fonctionne pas quand il n'y a plus de réseau quand même. Gros point faible. Becoming the most popular way to capture the images of our lives. Tension. Over the past decade, we pushed forward with innovation after innovation. On a même des petits dessins, on nous a dessiné sur Twitter, François, avec le hashtag 01Live. C'est Leaf qu'on connaît, qui nous a déjà envoyé des dessins, oui. Et qui se moque de nous gentiment. Bon, je vous le dis, on commence par les évolutions des iPhones actuels. Juste un petit chiffre comme ça, parce que nous aussi on a nos chiffres, il n'y a pas que Apple qui l'a. Non, non. Vous êtes 30 000 à nous suivre actuellement sur YouTube et sur les Box SFR aussi. François, on va découvrir sur zeronettv.com. Les nouveaux iPhones. Pierre Fontaine nous dit qu'il s'appelle l'iPhone 8. Alors ça, c'est l'iPhone 8, c'est la mise à jour de l'iPhone qui existe aujourd'hui. Attention, c'est pas l'iPhone révolution qu'on attend. Qui viendra en première remarque. Pas de double capteur sur l'iPhone 8. Simple. Comme aujourd'hui sur l'iPhone 7 d'ailleurs, qui n'a pas de double capteur. On aurait pu penser que... Hein. Voilà. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'il va avoir en plus cet iPhone 8 par rapport au 7. Et puis au passage, vous avez remarqué que Apple fait disparaître le 7S. On aurait pu imaginer que, il y aura pas de 7S. Le form factor, on serait passé au 7S. Eh bien non, là on passe du 7 au 8. Pourquoi ? These are a new generation of iPhone. They improve on everything we love about iPhone. Deux façades en verre. The design is all new. It has glass in both the front and the back. L'un des grands patrons d'Apple aussi. Phil Schiller explique que c'est le verre le plus résistant jamais utilisé dans un smartphone.
Oui, on imagine mal qu'ils utilisent un verre moins résistant que le précédent. Oui. Hein, pour ceux qui avaient des doutes. Faites attention, c'est du cristal, hein, les amis. C'est un peu du cristal, le verre actuel. Hein. It's made from an aerospace grade 7000 series custom aluminum alloy. The glass has a seven-layer color process. Donc, dans les jours qui viennent, on va voir des vidéos de ces iPhones explosés, ouais, jetés ça, sur le goudron par terre. C'est pas très moi, malin. Ça me donne mal au cœur à chaque fois. Dans des blenders. Dans des blenders. Non, on fait pas ça à 0.net. C'est plus fort que nous, on ne peut pas. Vous savez, c'est comme on dit les robots ne sont programmés pour pas pouvoir tuer les gens. Ben nous, on est programmés pour ne pas abîmer les iPhones, en fait. On a une pudeur naturelle. C'est ça. Donc pas de changement dans les tailles d'écran. Mais l'écran Retina HD a eu quelques évolutions. Alors, 5,5 et 4,5 qui était déjà disponible sur l'iPad. Sur l'iPad qui permet d'adapter les couleurs en fonction de l'environnement. Hein. Donc si vous avez beaucoup de lumière, voilà. Ouais, c'était dispo sur iPad et sur MacBook, mais pas sur iPhone. En effet, maintenant ça arrive sur les iPhone 8. Ah non, pas sur MacBook. C'est la colorimétrie et la luminosité. Ouais, sur iPad uniquement. iPhone 8 and 8 Plus have new stereo toujours les speakers. Donc les haut-parleurs stéréo. Les haut-parleurs stéréo, comme ça, ok. Avec 25% de puissance en plus. Et des basses plus puissantes aussi. Je sais pas comment ils font, parce qu'avec un truc comme aussi fin, pour avoir des basses plus puissantes. En fait, il y a un caisson dans la poche. C'est ça. Il y a un caisson dans l'Apple Watch, en fait. Oui, c'est l'Apple Watch, il y a un caisson de basse. Tu ressens les basses. Ah, et le fameux processeur A11. Bionic. Bionic, les amis. Bionic. Oh là là. La plus intelligente jamais trouvée dans un smartphone. 4,3 milliards de transistors. 4 cœurs. 4 cœurs, 70%. Merci pour ces PPU 64 bits, bien sûr. Awesome. It has two high-performance cores. They're 25% faster than the high-performance cores and the previous industry-leading A10 chip. Okay, donc c'est pas 4 cœurs, c'est 6 cœurs. 6 cœurs, oui, c'est ça. They're up to 70% faster than the ones. Le précédent en avait 4. They're managed by our second generation performance controller that now can use all 6 cores at once. Et des cœurs encore plus efficaces. Efficient. 70%, je crois. Hein. 70%. First ever Apple design. On ne se moque pas, Christopher Simonelli. This is a 3-core design. It's 30% faster than the graphics in the previous A10. The GPU is designed to accelerate 3D apps and games, especially those that use our new Metal 2 framework. And the GPU also is incredible for machine évidemment learning plus 3D plus 1 and those kind of tasks impressionnant get a big puissant pour pouvoir faire tourner les jeux encore plus gourmand et la réalité augmentée, mais on va en parler avec Milan dans un instant sans doute, parce que évidemment la réalité augmentée nécessite énormément de puissance de calcul. J'imagine que tu nous confirmes rapidement. Oui, forcément, c'est confirmé. Ça veut dire que les applis de réalité augmentée pourraient fonctionner que sur ces nouveaux iPhones là? Non, en fait ils fonctionnent à partir donc de l'iPhone 6S. Il faut une puce en fait A9 pour pouvoir faire fonctionner AirKit. Donc 6S, 6S Plus, voilà. SE et les iPads de 2017. C'est ça, exactement, les iPads Pro. Perhaps the most beloved feature of every new generation of iPhone is the cameras. On peut imaginer qu'avec le 8, ça sera plus fluide, ça. Ou... Il va falloir voir les expériences, en fait, ce qu'elles vont donner et surtout ce qui va être développé. Alors là, on est dans les photos. Donc un processeur d'image, ce qu'on appelle un ISP embarqué, ce qui permet de calculer le rendu des photos. Toujours 12 mégapixels, hein, alors que certains constructeurs proposent encore des capteurs à 20, 23 mégapixels. Là, Apple reste fidèle aux 12 mégas. Oui. Stabilisation optique, ah ça c'est bien, parce que le 7, l'iPhone 7 qui est donc sorti l'année dernière, a proposé une stabilisation numérique. On va dire numérique, et là on a l'optique sur le 7, c'est plutôt pas mal. Donc sur le petit modèle. Sur le petit modèle, alors que le 7 Plus, lui, avait déjà la stabilisation optique. Donc là, c'est le 7 Plus. Deux caméras, logique, avec une ouverture à 1.8 et à 2.8 pour les deux objectifs. Je ne sais pas si c'était le cas avec le précédent. C'était 1.8 et 2.8, je ne sais plus. Now that's not the Golden Gate Bridge, this is taken in Portugal.
Chris, juste un moment, on parle de la performance des iPhones sur la photo. Ce sont évidemment d'excellents appareils photo, mais ce n'est pas forcément les meilleurs et si on les compare à la concurrence. Exactement, en ce moment, alors, si je ne dis pas de bêtises, mais on corrigera si le faut, mais le smartphone le plus performant en photo en ce moment, c'est le HTC U11, qui vraiment se démarque vraiment sur ce point avec des couleurs très naturelles. LG 6 aussi d'LG, hein, qui est sorti. LG 6 effectivement est très bon. Et le U11 se rapproche le plus des critères photographiques pro, on va dire, c'est-à-dire avec des couleurs très naturelles, très justes. Mais il n'y a pas cet effet qu'on a parfois un peu saturé sur les Samsung ou d'autres marques. Mais c'est aussi une question de sensibilité. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a les photographes qui plaisent aux photographes professionnels purs et durs et les photos qui flattent un peu plus la rétine, qui sont davantage plébiscitées par le grand public. Donc voilà. Mais vraiment sur les critères de notre spécialiste photo, Adrien Branco, aujourd'hui c'est le U11 qui tient le haut du pavé. Voilà, Florian nous dit aussi le GG6 qui fait de très très belles photos, c'est vrai. Le OnePlus 5 aussi. Pas loin derrière. Apple est dans le top 5, on va dire, hein, mais c'est pas aujourd'hui le meilleur appareil photo sur un smartphone. Alors apparemment là, est très dur. Pierre Fontaine précise que le mode portrait serait réservé uniquement au modèle Plus, donc à l'iPhone 8 Plus. Le mode portrait, on rappelle ce que c'est, cette fonction qui donne l'effet bokeh et qui magnifie les photos de manière impressionnante. Et qui s'améliore de mise à jour mise à jour. Oui, parce que c'est essentiellement logiciel, même s'il faut évidemment le double capteur. Et c'est devenu un peu la nouvelle marotte des fabricants de smartphones. Hein. On sait que Huawei travaille beaucoup sur ce mode portrait, Samsung aussi. Huawei qui avait été, je crois, le premier d'ailleurs à lancer ça. Oui, c'est vrai. Même avant, mais donc, il n'apparaîtrait toujours pas sur l'iPhone 8, le petit iPhone. C'est une petite déception, ça. Bah oui, complètement. Tu peux avoir le double capteur sur du 4,7 pouces. La concurrence le fait. Bon. Voilà, donc pour la qualité des photos sur les iPhone 8. It's super easy to use. Right when you're in the camera app, you use portrait mode, and there's a new menu to select the lighting effect you want to use. Et ça, une fois qu'on a pris goût à ce genre de photos, C'est vrai que... Bon, quand même, là, de ce qu'on voit sur ces nouveaux iPhone 8 et 8 Plus, on se dit qu'ils auraient pu aussi s'appeler 7S et 7S Plus, non ? Complètement, bien sûr. Oui, bien sûr. À part ce nouveau revêtement en verre, qui semble être nouveau. On attend aussi la recharge par induction. Ça n'a pas été encore annoncé, mais en théorie, on devrait avoir la recharge par induction qui arrive sur ce modèle. On va voir si c'est le cas. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, sachez que Apple vient d'annoncer les nouveaux iPhone 8, 8 et 8 Plus, qui sont des évolutions du 7 et du 7 Plus que l'on connaît, Exit et 7S, qui n'existeront pas. Design quasi identique à l'iPhone 7, avec un revêtement en verre, meilleure photo, un écran HD Retina. Et un meilleur appareil photo. This enables faster frame rates and higher quality video. It does real-time image and motion analysis to predict changes. Donc les améliorations en matière vidéo. The video encoding algorithms. So while you're shooting video, let's say 4K 60 frames a second. Alors voilà, ça aussi c'est la grosse nouveauté, c'est qu'on passe maintenant en ultra haute définition à 60 images secondes. Et alors on se dit, bon, ça change quoi, 30 images, passer de 30 à 60, eh bien c'est tout bonnement énorme. Une image 4K à 60 images secondes donne une impression de relief et de précision qui n'a rien à voir avec le 30 images secondes. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, qui n'est possible qu'avec le nouveau codec H265 qui arrive sur ces nouveaux iPhones. Parce qu'autrement, autant vous dire que même avec un modèle de 256 Go, vous ne faites que quelques dizaines de minutes de captation. Hein. Ça génère des fichiers monstrueux, voilà. Et même le 1080p en 240 images par seconde. Ça c'est nouveau. Hein. Ça, c'est 120 impressionnant jusqu'à présent. Enfin, l'intérêt du 240 images par seconde, c'est les ralentis. Mais on arrive à des ralentis quasi de qualité pro. Quoi. On a aujourd'hui... C'est impressionnant. That's going to become increasingly important in our mobile devices. And that's augmented reality.
Et voilà, on y vient. Augmented reality. Et maintenant, Milan monte sur scène, mesdames, messieurs. Donc on va voir ce qu'ils vont nous préparer, mais effectivement, là, il va parler donc d'AirKit, qui est donc le kit développeur dédié à la réalité augmentée sur Apple. Donc, on va voir ce qu'il annonce. Ouais, donc, effectivement, sur consultant réalité augmentée ce soir. Effectivement, la réalité augmentée sera donc disponible effectivement sur ces derniers iPhones, donc l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, ce qui était en fait le cas aussi pour les versions précédentes pour 7. Milan, en tant que développeur, effectivement, là, du coup, le fait qu'il y ait la 11, il est en train de nous dire que, pour le coup, ça va pouvoir permettre des expériences en réalité augmentée qui vont être encore plus puissantes. On parle d'un appareil photo calibré pour la réalité augmentée avec des gyroscopes, accéléromètres et le processeur permet de traquer le monde en temps réel et le GPU se charge. Traquer le monde en temps réel, mais c'est mon rêve depuis toujours. Verbatim, Pierre Fontaine en direct du Steve Jobs. Dites-moi, il n'est pas vraiment borderless cet écran-là. Alors voilà, attendez, là on a, c'est quoi? C'est une petite démo d'un jeu en réalité augmentée. Alors, c'est un jeu en réalité augmentée, il n'a pas dit non pour l'instant. Une appli de sport permet par exemple de visualiser en temps réel les fiches des joueurs. C'est plutôt pas mal ça. Ah oui, c'est bien. Tu regardes un match en vidéo. On voit la démo. Moi j'avoue que j'attends vraiment d'Apple aujourd'hui qui nous montre que la réalité augmentée c'est autre chose qu'un gadget et que ça peut être réellement utile. J'avais juste une question, ça existe depuis des années ça sur l'iPhone. Je fais la même comme ça qui c'est vraies images et réalité augmentée. Effectivement, en fait, AirKit, il faut savoir que c'est une boîte qui a été rachetée par c'était une boîte qui a été rachetée par Apple qui s'appelait Flyby en 2014 et ils avaient racheté également une autre boîte qui s'appelle Meteo et qui les a aidés en fait à construire donc cette puce qui permet de créer donc de la réalité. Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ce qui existait déjà, comme disait François, en matière de réalité augmentée sur le store, même la puce ou en termes d'usage d'appli, etc. En termes d'usage, ça va être complètement différent. Le principe de la réalité augmentée, donc, c'est de pouvoir superposer en fait des informations qui ne sont pas réelles dans un monde réel, donc via un intermédiaire qui donc sera ici. Mais encore une fois, c'était déjà possible ça. Alors oui, c'était déjà possible. Justement, ce qui va être bien en fait, c'est que là, il y a un SDK qui est à disposition des développeurs, donc qui est plutôt assez facile à prendre en main. Aujourd'hui, on a une plateforme, on a Apple, c'est-à-dire c'est des centaines de millions d'iPhone déjà disponibles. Donc pour les développeurs, d'un point de vue business, c'est toujours beaucoup plus intéressant de pouvoir se lancer en fait enfin sur des applications qui vont pouvoir être monétisables. Je sais pas quelle application qui est assez amusante. Ça rappelle des choses qu'on a vu chez Microsoft, c'est-à-dire que voilà, la personne avec l'iPhone filme une table qui est vide dans le monde réel, mais sur son écran. Comme les HoloLens. Ouais, voilà, exactement. Un peu comme les HoloLens. Du coup, ça fonctionne pas exactement de la même manière puisque là, il y a un seul capteur optique. Justement, c'est la prouesse en fait qu'ils ont réussi et qui est d'ailleurs le cas également avec ARCore, qui est la déclinaison en fait concurrente d'ARKit et qui est, on va dire, la déclinaison light. C'est-à-dire chez Google. Chez Google, c'est ça, et sur lequel ils ont déjà en fait Tango. Les prérequis matériels pour la solution de Google sont quand même un peu plus lourds. Alors, on a besoin sur le projet Tango notamment, on a besoin d'un appareil avec différents capteurs même optiques. C'est moins simple, on a l'impression. Et effectivement, moi c'est pas une impression, pour le coup, ça fait appel effectivement à un capteur supplémentaire qui permet d'intégrer ce qu'on appelle de l'AR learning, donc qui permet effectivement d'apprendre en fait ce qui se passe dans une pièce et de pouvoir contextualiser cette pièce et d'y ajouter des données, de comprendre cet environnement. Aujourd'hui, c'est une chose qui n'est pas possible en fait avec AirKit. Cela. Donc, j'attends de voir en fait le prochain iPhone, voir si on va pouvoir avoir un capteur de ce genre-là. Suspense. Le 10, l'iPhone 10, c'est ça? L'iPhone 10, effectivement, pour savoir s'il se rapproche de Tango ou non. Est-ce qu'il sera plus performant? Est-ce qu'il permettra d'aller plus loin en matière de réalité augmentée? C'est ça, effectivement, il y aura des capteurs supplémentaires. En tout cas, c'est super fluide, hein. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que
on a une fluidité, on a l'impression qu'il joue un vrai jeu, qu'il n'y a pas du tout de réalité augmentée. Quoi. Alors, effectivement, il y a une vraie fluidité. Il faut, voir ensuite en pratique, effectivement, si cette fluidité, elle est bien exacte. Parce que bon, il y a quand même aussi, on va dire, l'effet démo où tout se passe bien, ça a été répété. Ouais. Il faut voir ensuite dans la réalité si c'est bon. Et surtout, il faut voir si en termes d'usage, c'est quelque chose qui prend. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être autour d'une table, soit debout avec son smartphone devant. Ça peut très bien être super waouh et faire une démo une fois entre nous à la maison. Exactement. Et après ne pas s'en servir. Voilà. Il faut trouver les applis, les killer apps, comme on dit toujours la même chose. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je pense pas qu'on les a trouvés. Il y a encore de belles choses à faire. Je pense qu'il y a des belles choses, notamment des applications qui sont sorties autour des mesures, par exemple, qu'on voit bien pouvoir mesurer une pièce en réalité augmentée. Est-ce que JD peut nous remettre le live ? Parce que là, visiblement, on annonce d'autres fonctionnalités de cet iPhone. Le futur est centré sur le sans fil. Avec visiblement, alors c'est ce qu'on a entendu parler, peut-être une évolution des AirPods, hein. Une nouvelle version. Ça aussi, on en avait déjà parlé sur Ok, donc ça, c'est aussi la confirmation. La recherche sans fil. Le nouvel iPhone 8 sera compatible avec le standard QI, donc, qui s'écrit QI et qui est déjà utilisé par pas mal d'acteurs sur le marché. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, c'est le standard un peu, on va dire, gagnant, non ? Qui est en train de l'emporter. Et c'est une bonne nouvelle qu'Apple utilise un standard existant et ne crée pas un nouveau système. Ouais. Exactement. Ça, c'est super. Ça veut dire que finalement, si j'ai un chargeur QI, je pourrais recharger mon iPhone. Et rappelez-vous les meubles aussi, IKEA a sorti une série de meubles qui intègrent de la recharge à induction. Oui. Là, l'iPhone serait compatible. C'est quand même assez marrant parce que finalement, ça fait combien d'années que Samsung sort de téléphone avec la recharge par induction ? Ça fait depuis le S6. Ah oui, bien sûr. Depuis le S6. Nokia, moi je me souviens de Nokia et des Lumia, les premiers. Le S6 c'était en option. Hein, sur le S6, fallait changer. Galaxy S6 ? Ouais. C'était avant, je crois que c'était le 5 ou c'était en option. Mais je me souviens, tu te rappelles des premiers Lumia de Microsoft ? Oui. On nous faisait la démo de la recharge par induction. Des petits coussins sur lesquels on posait le téléphone. Et c'est dingue parce que... Il y a 3 ans, 4 ans. Voilà, ouais, au départ, personne n'en parlait. Pris, voilà, et puis là, vous allez voir qu'avec Apple, ça va devenir un truc de dingue. Quoi. Tout le monde va parler de la recharge par induction. Après, c'était un peu décevant, la recharge par induction, parce que ça se recharge moins vite, etc. Ça, c'est les partenaires qui vont être en fait compatibles avec les iPhones, donc IKEA. Et j'ai même vu tout à l'heure des Ibis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des... Il y a des meubles avec la recharge par induction. J'imagine. So that's iPhone 8. It's a new generation of iPhone. It improves on everything we love about iPhone. Allez, les prix. It is packed with innovative technologies from the glass and aluminum design to the Retina HD displays, the new A11 Bionic chip. Ah, Bluetooth 5.0, les amis. Donc le nouveau Bluetooth qui est une évolution. Qui sert à rien, nous a expliqué Pépé l'autre jour. Alors pour l'instant, mais je pense que si le consortium Bluetooth l'a inventé, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok, les prix. Vous les voulez, je les ai. Tu as les prix ? Alors l'iPhone 8 est dispo en 64Go et 256 à partir de $699, encore une fois. Hein, d'accord, dollars. L'iPhone 8, hein. L'iPhone 8 Plus à partir de $799, précommande le 15 septembre, dispo le 22. D'accord. Et switch vers iOS 11 le 19 septembre. Donc, en gros, hein, pour résumer, l'iPhone 8 commence à 699 pour terminer 200€ de plus si on prend la version à 256Go. Et l'iPhone 7 Plus, lui, commence à 799. L'iPhone 8 Plus, pardon. Je crois qu'il y a du lourd après. Alors, là, c'est là où ça va commencer à se corser, les amis. Où que vous soyez, si vous êtes sur zeronet.com, si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur les box SFR, tranquillement installé sur votre canapé en train de nous regarder en live, j'espère qu'on va avoir là l'annonce du super iPhone qu'on attend tous. Est-ce que vous allez voir là ? On vous le fait gagner. Alors voilà, on rappelle quand même. Ça c'est pas une blague, les amis. Le One More Thing a été annoncé par Tim Cook. Alors, ah, c'est bien ça, de faire ça sous forme de One More Thing. C'est bien, ça renoue avec la tradition.
un produit qui va définir les technos des smartphones pour la prochaine décennie. Le futur des smartphones. Il sera pas dispo tout de suite. Un smartphone volant. And change the world in the process. Chez Apple, on vous vend pas des téléphones, now, on vend des futurs téléphones. 10 years later, it is only fitting that we are here in this place on this day to reveal a product that will set the path for technology for the next decade. Alors voilà, donc là, aujourd'hui, à cet endroit, dans ce téléphone, le téléphone, la technologie des 10 ans qui arrive, ouais, les amis. La vidéo. Alors, on va commencer à baver tranquillement, donc ne nous montrer, c'est plus à peine de nous mettre à l'antenne, hein, JD, s'il te plaît. Voilà. Les amis, on est en direct sur Zéro Net TV, il est 20h18 et le nouvel iPhone va être révélé, le voici. Enfin, le nouvel iPhone qui est en rupture, on va dire. Voilà. Tu veux dire celui qu'on voit sur Internet depuis... Non, mais là, depuis des semaines. Tu le vois officiellement, là, tu vois. Je vois le vrai. Ah, voilà le borderless. Et, voilà. Et le borderless avec le voilà grand le écran borderless. Qui va jusqu'au bord. Et c'est donc l'iPhone X. iPhone X, dites comme vous voulez. Waouh. C'est chaud, hein, quand même. X ou 10. Alors, ouais, écoute, qu'est-ce qu'il va dire? This is iPhone 10. iPhone 10. Voilà, ce sera l'iPhone 10. Leap forward since the original iPhone. And to tell you all about it, I'd like to invite Phil back up. Phil? Bon, les fidèles de zeronet.com auront déjà vu ce produit. Il faut le dire. Didn't get much sleep last night preparing for this. This is tout so écran. Exciting. And it is all screen. It is beautiful to look at. It is incredible. Bon, c'est beau. To c'est hold. Beau. Non, il est superbe. The display fits edge to edge, top to bottom. It goes into each corner where it follows the tight curve of the design. Mais bon, on prend le LG V30 dont tu as fait une vidéo à l'IFA, Jérôme. On reprend le plan qu'il y avait tout à l'heure, c'était il est borderless de la même manière. Tout à fait. Hein. Ou même le Note 8. À la différence que là, il y a une petite prouesse sur la manière dont est taillée la dalle, parce qu'on a vu qu'il y a un décrochage en haut de l'écran. Mm-hmm. Donc c'est pas une dalle qui est parfaitement plane sur ses bords. Et sur lequel ? Tu parles de quel ? iPhone 10. Ouais. Donc ce qui constitue, à mon avis, un défi industriel quand même. Ce serait intéressant de creuser, et on va le faire sur 01net, de voir comment ils ont pu concevoir un écran pareil. Alors, vers devant et derrière, acier très brillant autour, à la place de l'aluminium. Deux coloris apparemment. Bien sûr, 5,8 pouces. Voilà, 5,8 pouces et du Super Retina Display. C'est le plus grand des iPhones. Oui. Mais alors, l'écran fait 5,8 pouces. L'écran. Mais j'aimerais connaître la taille du téléphone par rapport au 8 Plus. Il y a des chances qu'il soit aussi compact, voire... À mon avis, il est même plus petit. Donc c'est bien un écran OLED. 2436 by 1125 resolution. That's over 2.7 million pixels. There's 458 pixels per inch. Merci Samsung, hein, que cet écran, qui fabrique vous n'allez pas pouvoir le réparer avec un kit acheté sur Amazon. Non, ça c'est clair. Ça me paraît assez clair. Can be packed into a phone that fits so comfortably in our hands. Il est grand, mais il tient tellement bien dans votre main. Non, mais il paraît plus compact que le 8 Plus. Hein. J'ai envie de suivre toi la bouche, là. Ça commence à être un peu désobligeant. Non, pas du tout. Je reste digne, François. Je reste digne jusqu'au bout. Même dans l'émotion. Oui, même dans l'émotion. Je ne verserai pas de larmes ce soir. Je reste droit dans mes bottes. Ils viennent avec trade-offs en brightness, en rich colors, en color accuracy, au moins comparé à nos retina displays. But the Super Retina display overcomes all of these. Ah ouais, là, voilà, l'OLED des autres, si vous voulez, il est pas terrible. Il est un peu laid. Mais l'OLED d'Apple, c'est le top du top. Voilà. Donc HDR display, ok, Dolby Vision, tiens, ça c'est étonnant que Dolby Vision arrive sur... Pépé va venir nous en parler. Il nous en parlera tout à l'heure. Dolby Vision, mon pépé. Ouais. HDR 10. It integrates our unique 3D touch technology. True Tone display, ok. Un contraste de 1 million pour un, bon. 2 millions, allez. Now all this innovative Super Retina display technology is great, but it's the point of it that matters. And the point of it is to enable an entirely new Alors, experience. Juste pour qu'on remette un petit peu dans le contexte, l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus aujourd'hui ont un écran de 5,5 pouces. D'accord ? Là on va se retrouver avec du 5,8. Donc un écran légèrement plus grand. Just tap on the screen
and it wakes up. Mais j'ai l'impression que par rapport à la main, il a l'air plus petit qu'un iPhone 7 Plus. C'est une grande main. À moins que ce soit une grande main. À moins que ce soit une grande main. This is an important part and a big step forward. Alors, intéressant. Comment fait-on pour déverrouiller cet appareil en glissant un doigt du bas vers le haut? Un doigt du bas vers le haut. Du bas vers le haut. D'accord. Ça fonctionne de la même manière pour quitter une appli. On glisse du bas vers le haut. Ce qu'on fait sur Android, depuis des années. Oui. Okay. Merci Apple. It's that simple. It's that easy. It's incredibly smooth. And once you do it for the first time, you'll know there's never been a better way. And it works the same way across the system. You're running an app like Mail and you want to go home. C'est étonnant cette petite encoche en haut où tous les capteurs sont concentrés, hein. C'est assez joli ça. Vous avez vu quand même ce geste? Now the same fluid gesture also works for multitasking. So if you're in an app and you want to multitask, enfin bon, la disparition du bouton haut. And you're in multitasking. Alors juste pour une petite précision, vous êtes en ce moment plus de 34 000 à découvrir le nouvel iPhone 10 sur 01net TV, sur YouTube, sur 01net.com et sur les box SFR. Et donc c'est celui-là qu'on pourra gagner, enfin pas moins. Exactement. Alors écoute, alors là tu fais bien de le rappeler, on va vous offrir ce téléphone les amis, le haut de gamme, l'iPhone 10, vous pouvez le gagner dès maintenant sur 01net.com, Christopher. Exactement, vous allez sur la page du dossier, sur 01net.com, il y a un lien très simple vers le dossier, et dans le dossier, vous allez vers le jeu concours, simple, une question. Voilà, une question assez vraiment simple, très simple. Dire, assez simple. Vous nous laissez vos coordonnées. L'historique de l'iPhone, en fait. Tirage au sort le 3 octobre et on l'envoie, tout simplement, voilà. Dans votre boîte. Voilà. Donc, vous avez bien compris, 01net.com et 01net TV vous offrent ce soir le nouvel iPhone. C'est du jamais vu. Donc là, c'est l'historique des systèmes de déverrouillage. Et ben voilà, donc ça va nous arriver, vous allez voir. Le slide, le Face ID. Le Touch ID. iPhone 10, your iPhone is locked until you look at it and it recognizes you. Et voilà, il se déverrouille lorsqu'il vous reconnaît. Simpler, more natural and effortless. We call voilà. This Face ID. Alors voilà, le Face ID, là encore, bon, tout ça a été inventé, on va dire, depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on va déverrouiller le téléphone avec votre visage. Mais alors, ce n'est pas la reconnaissance de l'iris comme sur le Galaxy S8. Alors, je pense que Fischler va nous expliquer ce que c'est, mais visiblement, c'est un scan de ton visage. Ouais, c'est plus comme chez Microsoft. Hein, je tout pense à fait. C'est plus comme ce qu'on retrouve chez... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les yeux, il y a sur vraiment Windows, toute la... Si tu veux, Windows Hello. La profondeur visage, et la profondeur de ton visage aussi, parce qu'en fait ton visage est scanné en 3D, et c'est avec tous ces points-là qu'il arrive à détecter si c'est vraiment toi. Ce qui n'est pas le cas avec le Galaxy S8 par exemple, qui lui avait un système de reconnaissance faciale 2D. C'est pour ça que parfois, en mettant, si tu veux, une photo en selfie, le téléphone se déverrouillait. Là, c'est vraiment de la 3D. Oui, il va mesurer deux en fait, la taille de ton nez. Sur le Galaxy, il y a soit la reconnaissance faciale 2D qui n'est pas très fiable, soit la reconnaissance de l'iris de l'œil qui est très fiable, mais qui ne marche pas toujours en fait. Qui est assez contraignante. Il faut vraiment regarder en face, etc. Intel travaille énormément aussi sur ces sujets, avec de la reconnaissance faciale 3D cette fois. Then we check that enfin, moi, je trouve qu'il faudrait saluer Microsoft, hein, entre la réalité augmentée et la reconnaissance faciale 3D. Oui, ils sont déjà passés par là avant Apple. Mais bien sûr. Mais attends, le jour où ils vont sortir leur HoloLens de manière miniaturisée, de etc. Alors, la vraie question, c'est... Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu la dernière saison de House of Cards, où en fait, une personne déverrouille l'iPhone d'une autre personne qui est en train de dormir en apposant son pouce sur le bouton Home de l'iPhone. Ouais. Très simple. Donc, là, la question, est-ce qu'on pourra déverrouiller le smartphone d'une personne en train de dormir, en train de dormir. Question. Mais ta question pose aussi une autre interrogation. Est-ce que dans le noir, ça marche? Oui, ça marche dans le noir. Mais dans le noir complet? Cela permet de fonctionner même dans le noir, précise Pierre Fontaine qui est sur place, et avec tous les capteurs qui sont en façade. Oui, s'il y a un capteur infrarouge qui arrive malgré tout à détecter ton évidemment, visage. Évidemment, on le testera. Mais voilà, une manière de se prémunir de ce risque, ce serait d'interdire le déverrouillage sur les yeux fermés. Ce serait une solution. Ah, c'est peut-être ça, justement.
Enfin bon, moi, ce bouton qui disparaît, là, ça me gêne. Il y avait, je crois que c'était The Verge qui a fait un article en disant, vous savez, c'est un peu comme le bouton pour fermer la porte de l'ascenseur. Ça marche pas, mais ça rassure. Quand on veut que la porte se ferme plus vite, on clique sur ce bouton. Comme chez Next, ça marche. Hein. La dernière fois, j'ai appuyé, ça s'est fermé automatiquement. Oui, non, mais ça marche, mais il y a une temporisation, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Mais c'est le truc qui rassure. Et le bouton mécanique, ça rassure, malgré tout. Même s'il n'était plus vraiment mécanique là, depuis. Les amis, je vous arrête quelques secondes. J'aimerais qu'on lance des paris concernant le prix de ce nouvel iPhone autour de cette table. Chris. Moi, je suis conforme à ce qu'on a lu sur 01net.com. Je dis 1099 euros. Pour le premier prix, 1099, Jérôme. Oui, mais pareil, parce que il y a eu des fuites autour de ces prix-là, effectivement. 1099 aussi, il y a eu des fuites. Alors, est-ce que c'est vraiment le prix de ce nouvel iPhone, 1099 $? Écoutez, moi, je prends un... Allez, moi, je dis 999. Tu es un fou furieux. Attends, ce serait bien qu'on revienne à la keynote de deux secondes, parce que donc là, ils sont sur la reconnaissance de visage en 3D. Ça fait flipper un peu. C'est un peu flippant, c'est vrai. Le Face ID, ça s'appelle. Face ID. Donc, il nous permettra, comme aujourd'hui avec Touch ID, de payer avec Apple Pay en apposant son... Donc il n'y a plus de Touch ID. Il n'y a plus de capteur d'empreinte. Non, non, c'est fini. C'est attends, c'est le smartphone du futur aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Attention, de quoi on parle. À voir si on a une option B quand même, parce que si jamais ça s'est pas ouvert, ça arrive parfois. Le Touch ID, bien sûr. On rentre un code. On a la réponse à notre question. Touch ID. Touch ID is the gold standard for consumer device biometric protection. On peut pas déverrouiller l'iPhone les yeux fermés. Has been 1 in 50,000, meaning that the chance that a random person could use their fingerprint to unlock your iPhone has been about 1 in 50,000, and it's been great. So what are the similar fiabilité de Touch ID for Face ID? Rajoute un zéro. Wow. Mais fille, tu sais quoi, t'es trop fort. Le Touch ID, c'était super de super fiable, mais pas là, encore assez fiable. Mais là on est dans le super, super, super fiable. On va trouver des jumeaux et on va le tester. Non, vraiment, ah oui, on va le faire. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Merci à des jumeaux, des jumelles qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, on lance un appel aux jumeaux. Ouais. Manifestez-vous sur Twitter et on vous contactera. Venez tester le Face ID à 01net. Face ID also works with Apple Pay. So okay. To pay for things, you just double tap the button on the side, you look at iPhone X to authenticate, and hold it near the payment terminal to pay. It's that easy, fast, intuitive, simple. Face ID also works with third-party apps. Third-party apps already support Touch ID, and they'll work with Face ID. So apps like Mint, 1Password, E-Trade will all work with Face ID. So Face ID, it's face authentication for unlocking your iPhone and protecting your sensitive data. It uses the innovative TrueDepth camera system. It's trained with neural networks. It's easy to set up. It learns your face, and it adapts to your face over time. It's aware of your attention. It works with Apple Pay, and it works with third-party apps. This TrueDepth camera system is incredible. Merci, t'as des lunettes, si t'es maquillé, si t'es déguisé en clown. C'est ce qu'il montrait en fait. Même si on a une barbe et qu'avant, parce qu'à mon avis, en fait, il prend des points de repère biométriques. Il y a des points de repère qui ne peuvent pas être masqués, à mon avis, par la lunette ou par une barbe. Chaque personne a des points caractéristiques en fait. Si tu es une arcade sourcilière ou le nez, les cartements en fait au niveau des yeux. Par contre, tu vas à une soirée costumée et t'es déguisé en Spider-Man par exemple, tu peux pas passer un coup de fil. Parce que là, t'as un masque. Un Spider-Man, mais c'est un problème. Avec je pense moi, qu'il y a comme il est rare d'être codes. Déguisé en Spider-Man souvent encore. Ah, je pense qu'il y a encore peut arriver, quand même une possibilité sais. De déverrouiller avec un code. Oui, bien sûr, évidemment. Par contre, c'est assez intéressant de voir que sur le Face ID, en fait, ils ont une caméra de profondeur à l'avant et à voir si ça se retrouve à l'arrière parce que ça peut changer pas mal de choses sur la réalité augmentée en fait justement. Ah oui. Donc à voir s'ils vont l'annoncer. The way you create and share an emoji are right. Et là, ça va être très rigolo parce que avec ce capteur-là, on va pouvoir avoir des emojis animés. Ah, c'est génial. C'est assez drôle. Ça va être vraiment ça va cartonner. Ouais.
Bon, le problème, c'est que je pense que ceux qui vont acheter ce nouvel iPhone, ce ne seront pas des enfants qui vont s'amuser des heures avec les emojis. Tu vois ce que je veux dire ? Les adultes sont des grands enfants. L'iPhone 10 est packed with innovative technologies that enable new user experiences. I'm really excited to invite out Craig Federighi to show you iPhone 10 and what it's like to use it. Bon, on rappelle quand même que ce superbe écran de la mort qui tue, il est fabriqué par Samsung. Bien sûr. Pas alors c'est une spéce, enfin c'est ça, Samsung, une filiale de Samsung mobile, hein, on va dire, qui commandait, dont les caractéristiques techniques sont choisies par Apple. C'est-à-dire c'est que, sûr. Voilà, ça serait intéressant de comparer le Samsung Note 8 avec celui de l'iPhone, pour voir s'ils ont la même qualité. Here is iPhone 10. Now, unlocking it, dites-nous ce que vous pensez de ce nouvel iPhone avec le hashtag 01Live sur Twitter. On n'a pas encore été entêté sur Twitter, j'aimerais bien qu'on fasse péter un peu Twitter. Donc allez-y, hashtag 01Live, posez-nous vos questions, on en sélectionnera quelques-unes. Et puis bien sûr, sur YouTube, vous pouvez aussi nous laisser vos messages. So here we are, and you see this expansive. Et que se passe-t-il si on est barbu et qu'on se rase ? Justement, on disait que c'était bon en fait. Ça marche aussi. D'accord. I'm just going to go into the weather app here. And you can just see how apps look when they take advantage of the edge-to-edge display. La petite bande noire en haut, c'est moyen. Couldn't be easier. You just swipe from the bottom, just like this, and throw the app. Ils ont dû se poser des questions. Est-ce qu'ils font monter l'écran jusqu'en haut et faire le tour? Est-ce que ça s'arrête avant, etc. Let's take a look at the web. Hervé sur Twitter qui nous demande est-ce que cet iPhone n'existe qu'en une seule taille, en grande taille. A priori, oui. Alors c'est drôle, il y a une phobie des 9 ou quoi? Parce que Windows est passé de Windows 8 à Windows 10. C'est curieux. Hein. Et Apple a un iPhone 8, un iPhone 10. Nous zappons le 9. Mais je crois c'est vrai. Mais attendez, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que le 9 c'est un chiffre porte-malheur en Chine. Et donc ça expliquerait pourquoi... En Californie aussi? Non, mais étant donné que maintenant la Chine est un marché hyper important pour Apple, peut-être qu'ils ont voulu squeezer justement le 9. Je pense pas que ce soit le 9. C'est pas le 9? Je crois que c'est le 12426. Non, mais peut-être qu'on dit des bêtises, mais si vous pouvez justement nous corriger sur le hashtag 01Live, ça serait cool. Moi, j'avais entendu dire qu'effectivement, ça serait lié aussi à la concurrence avec Samsung, qui effectivement serait prêt à sortir le S9 en fin bientôt, et ils auraient voulu prendre une petite longueur d'avance. Pour répondre à la question, c'est bien le 7 qui porte malheur. Ah, c'est le 7, ok. Donc c'est l'actuel. C'est pour ça qu'ils se montent. Ils sont partis sur un autre. Right where your status indicators are in the upper right-hand corner. On va voir là. Just swipe down and get a control center. Le nouveau control center. iOS 11 hein, qu'on retrouvera aussi sur la plupart des iPhones récents. You just raise it, look at it, and swipe right up to get started. But now it's also incredibly fast. So I'm just going to do that again. Just raise it, look at it, swipe. I don't have to wait. And it's also really, really smart. So let's say I wake my phone and I'm not looking at it. It stays locked. But once I give it my attention, well, it unlocks and I can get right in. It's really cool. Now, Face ID is also great. For Apple Pay. So if I'm at the register, moi je demande à voir parce que par exemple sur la reconnaissance d'iris sur le Galaxy S8, je trouve qu'il y a un petit peu pénalisant, embêtant, c'est que on ne peut pas le déverrouiller par exemple lorsqu'il est posé sur la table, le smartphone. Il faut l'attraper, l'approcher, le mettre en face de son visage et le regarder droit dans l'objectif. Ça c'est un peu, c'est casse-pied parce que parfois on a le téléphone sur la table, on veut juste le déverrouiller, voir le dernier SMS qui est passé. Bon voilà, il faudra voir à l'usage. C'est vrai. You see, it builds a mesh in my face, and now I can just select a mask. C'est du Snapchat. Ouais, c'est du Snapchat là. Hein. Ouais. Ouais, bon, ça existe. Bon. Ouais. Alors, peut-être que pas ça sera mieux intégré. Très loin là quand même. Ouais. Ça fait longtemps qu'Apple essaye de concurrencer les réseaux sociaux un peu fun comme ça. Déjà avec iOS 10, ils avaient intégré plein de nouveautés dans l'application Message. Mais est-ce que ça prend? C'est pas sûr. Now, of course, many of us like to communicate with emoji. And with Animoji, we can now breathe our own personality into our favorites. Ça, c'est l'application préférée de François. Tu vas pouvoir envoyer des... Hein? J'aime bien ça. Hein? J'adore. Sur le coup de 23h, m'envoyer des petits machins comme ça. J'adore ça. Ça te fait rigoler. Ils ont racheté une boîte, en fait. We also let you manipulate these in full screen.
You can audition your favorites, and there's some really great ones, like the kitty cat. So expressive and ferocious. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, l'emoji parle en même temps. Ouais, 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 franchement, ouais, c'est ça qui est fou. Ça sert pas à grand chose, mais c'est sympa. Ouais, franchement, drôle, ça va être vraiment sympa. Pas mal. We've got a chicken. Voilà, alors lui il a pété un câble. Hein. Ouais. Ça y est, on a perdu. C'était le téléphone du futur. Ça fait envie le téléphone du futur quand même. Hein. Et voici l'iPhone Pool, mesdames, messieurs. Ouais. L'iPhone licorne. Yes. Ça fait vraiment œuf. Oh, le petit caca. Excusez-moi, mais c'est le cas. Hein. Advanced facial tracking technology available. You now have your answer. Now, these can be so much fun, you're going to want to share them. Unfortunately, we let you record messages. Les animojis, ça s'appelle. Here for Tim. Mais ce qui est dingue, c'est que demain, je pourrais scanner peut-être le visage de Jérôme et le faire parler à sa place, quoi. Ce serait drôle. C'est dingue. Ah oui, tu peux créer tes propres... Non, je sais pas, mais je me dis, tiens, parce que là, c'est des canards. Je viens de donner une idée d'appli à notre ami, je pense. C'est jouable ou pas, à ton avis? C'est faisable? Actuellement, là, il faut voir un peu plus loin ce que donnera le portable pour savoir si vraiment ça sera faisable. Par contre, ce qui peut être vraiment intéressant avec ce qu'ils ont intégré avec la caméra de front, ça va être la possibilité probablement dans les prochaines versions d'iOS de pouvoir scanner un visage complètement. Il y a Sony qui a sorti un smartphone dernièrement qui fait ça. Là, c'est très intéressant parce que on pourra avoir effectivement des animojis de soi-même intégrés peut-être même dans un jeu. Donc soit en réalité virtuelle d'ailleurs ou en réalité augmentée, il y a des choses intéressantes à faire, je pense. At the new iPhone X and the amazing experience with the True Depth camera and Animoji. Alors vas-y, balance le prix maintenant. Thank you very much. Comment ça s'appelle? Comment il appelle ça? True Depth. True Depth camera. Okay. Thank you, Craig. Now let's talk about the amazing cameras. Focus sur la photo, voilà. iPhone X has dual 12 megapixel sensors, dual cameras both. Donc toujours 12 mégapixels, wider sensors, just like an iPhone 8. Does new color filters, new deeper pixels, there's an f1.8 aperture on the wide angle camera, and a faster f2.4 aperture on the telephoto. So that lets in 36% more light to the telephoto camera. On a toujours cette petite protubérance hein, sur ces capteurs, alors que la concurrence a réussi à les intégrer à fleur du boîtier. Alors, dual optical image stabilization, c'est-à-dire qu'il y a une double stabilisation optique. Je ne pense pas que ça pouvait exister. Compensating for handshake. En même temps, si t'as deux capteurs, il faut peut-être mieux qu'ils soient stabilisés tous les deux. Quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une double stabilisation qui n'était pas indiquée sur l'iPhone 8 Plus. Donc ça, c'est l'iPhone qui va concentrer le meilleur du meilleur. C'est l'iPhone des 10 ans, hein. T'as pas suivi. C'est l'iPhone des 10 ans. Dans 10 ans, ce téléphone n'aura pas de vie. Je le répète parce que j'ai du mal à le croire. Si tu veux, nous aussi. C'est vrai. Now there's zero shutter lag and that helps to freeze motion so we can get a photo like this. Look at that blue sky with low noise. It's absolutely to die for. The OIS delivers low light performance so now you can get incredible low light images like this with the telephoto camera as well as the wide angle. Amazing. The iPhone 10 is fantastic for the portrait mode that we all love. The iPhone 10 you can get great portrait modes especially in lower light. And iPhone X supports the brand new portrait lighting feature as well. That's again a photo taken right off of iPhone X. On pas dit s'il allait sur internet celui-là. Stage lighting effect. Il va sur la lune celui-là, monsieur. Edge, mesdames, messieurs. iPhone X is great for photos. It's amazing for 4K video. And like iPhone 8, it's tuned for AR applications. Et voilà. It's factory calibrated cameras, the new gyroscope, accelerometer, the performance advantages of the A11 Bionic chip CPU, GPU, and ISP, and AR kit is tuned for iPhone X. Now the backside camera that we use so much is not the only camera, of course, on the iPhone. We have our front side camera as well, and people love to use those for taking selfie photographs. And now with iPhone X and its True Depth camera, it really delivers a breakthrough in the photos you can take for selfies. Because now with selfies, you can take portrait mode photos as well. Ah ouais, le mode portrait en selfie, c'est cool. Ça c'est magnifique. Front side True Depth camera.
I mean, people are going to be blown away with the selfies you can take with the iPhone 10. This is absolutely beautiful. Of course, everything we've seen is powered in iPhone 10 by the amazing new A11 Bionic chip. We talked all about an iPhone 8, but it's worth hitting on the highlights again because there has never been anything like it. A 64-bit, 6-core design, 4.3 billion transistors, 2 high-performance cores, 4 high-efficiency cores. Donc c'est toujours la 11 bionique, hein, en fait. Au niveau hardware, finalement, il n'y a pas énormément de différence par rapport au téléphone juste. Design, graphics processing unit, the brand new ISP that improves autofocus, the video encoder that is real-time, c'est logique, hein, c'est la 11 est le meilleur processeur d'Apple. Vous allez pas mettre un A12 sur la recharge et induction aussi. Does come with a hit to battery life. So I think it's important to tell you that we've increased it. Ah, 2 heures de plus que l'iPhone 7. Ça va dépendre encore de l'utilisation. Effectivement, sur la réalité augmentée, j'y reviens. Pour le coup, c'est possible que ça soit... Ça mange beaucoup de batterie, en fait. Donc, il faudra voir sur des jeux en particulier ce que ça donne des utilisations un peu longues. iPhone X is also built for a wireless world. It has Qi charging through the glass back, and it will work with the Qi charging devices, like the ones. Sans fil, tu veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un fil pour téléphoner? Non. On est dans le futur, François. On est vraiment dans le futur, quoi, les amis. Soyons clairs. C'est un peu difficile, mais il se des trucs que tu peux même pas imaginer. Non, mais on n'arrive même pas à se projeter tellement c'est dans le futur. Make the wireless charging experience even better. So our team wants to create something. I think all of us are going to want to use. And it might actually help move the entire industry forward. Je serais curieux de savoir, de connaître le temps de recharge en induction par rapport à un temps de recharge normal. I'm sure many of you do this. I do this. I have a lot of Apple products. I love them. I use them all day long. I charge them at night. You plug in your cables. You plug in your chargers. You take those cables and chargers with you on the road when you travel. We think we have an idea of how to make this a better experience. Ah, nouvel accessoire. And here it is. Donc, nouvel accessoire, nouvel téléphone. Bah, et tu vas pouvoir recharger tous les devices sans fil. AirPower, ça s'appelle AirPower, on nous dit, ça va s'appeler. Et voilà, et donc tu peux recharger. C'est un hommage à Pépé, ça, non, il me semble. Mais j'ai l'impression. And you can place your AirPods with the optional les gars qui voilà. Mais quel AirPods, les nouveaux. Merveilleux parce qu'en fait, on peut entrer en produit sur le téléphone. Enfin, l'innovation d'Apple dessus. Ouais, c'est pas eux qui ont inventé ça. Ok, on va prendre un chargeur en fait induction, on va le faire plus grand et comme ça on pourra tout poser dessus. Et voilà. C'est brillant. C'est Ford, hein, le constructeur qui intègre aussi des zones de charge à induction pour les véhicules. C'est quand même plutôt pratique. On rentre dans sa voiture, on pose son téléphone, il se recharge. Donc là, et j'imagine que c'est compatible avec le système Qi, donc ça devrait marcher aussi. Alors le seul inconvénient de ce système de recharge par induction, c'est qu'on ne peut pas utiliser le téléphone pendant qu'il se recharge. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut le brancher sur Lightning. Tu as raison. Ou alors t'es obligé de prendre l'AirPower comme ça. C'est vrai, il y a des trucs bizarres dans le futur finalement. Ouais, le futur. Le futur a aussi des inconvénients. T'es pas censé utiliser ton téléphone au volant, François, déjà. Non, mais par exemple, là, c'est à la maison. Si par exemple tu as presque plus de batterie, tu veux malgré tout utiliser des gants. Gants induction. Ouais, mais rassurez-moi, il y a toujours une prise Lightning, hein, on est d'accord, parce que pour les batteries, etc. Alors attention les amis, là on va s'en prendre plein les dents. Alors les prix, on rappelle, moi je dis 1099$, François. Donc tu dis 1099$, moi je dis 999$. Ah, John. Johnny Ive qui nous explique pourquoi il a créé ce petit bijou. Jérôme, comment le prix. Le prix, bah, c'est ce qu'on... le prix de quoi? Du chargeur? De l'iPhone 10. Du chargeur. De l'iPhone 10, bah, ce qu'on a dit là, 1099. Making the boundary between the device and the screen hard to discern. Ouais, moi je vais rester sur J'aimerais bien que ça soit en dessous, mais visiblement je pense pas. Le PRC aussi qui est derrière la caméra nous dit 1099. Bon, attendez, c'est la séquence émotion là. Séquence design. C'est vrai qu'il fait pas trop massif, pas très grand. A more responsive touch system means the gestures in iOS 11 are more fluid. C'est assez intéressant de voir que le contrôle en fait est maintenant en fait un slide vers le haut pour avoir le contrôle, ce qui du coup est un retour clairement à Android. Ah mais ça c'est clair, ce qu'on disait tout à l'heure, ça existe depuis des années sur Android.
Our new true depth camera system, contained within this tiny space, uses extraordinary depth sensing. On rigole, mais c'est quand même des vraies performances techniques, hein, chez tous les constructeurs aujourd'hui. Ah, il est posé. Ah, c'est posé. Peut-être... Oui, ça voudrait dire qu'il peut se déverrouiller même en étant à plat. Ah, si c'est ça, je dis le futur, c'est bien. This data is analyzed by the neural engine on the A11 bionic chip. Les données se transitent comme ça dans un vrai téléphone. Oui, tout à fait. Là, on a des caméras microscopiques. D'accord. C'est tellement bien fait. This makes your face your secure password. So with just a look, you can authenticate your phone or use Apple Pay. Mais c'est dingue parce que ça va sans doute devenir un usage qui nous paraîtra tellement naturel dans quelques années. Mais là, on c'est vrai qu'on peut comprendre que ça peut être peut-être le futur du téléphone. Ça va être intéressant de voir si les autres constructeurs qui s'apprêtent à sortir de nouveaux téléphones vont intégrer cette technologie. Both the front and rear-facing cameras now have portrait mode, and for the first time you can actually define the light in a scene. Based on fundamental photographic principles, portrait lighting produces the effect of real studio lighting. On the back, the dual camera system is completely redesigned. It's made even smarter by the A11 bionic chip. With machine learning, the camera detects elements in the scene to optimize the image before the photo is even taken. Machine learning dans l'appareil photo. Voilà, oui, qui prend en fait la meilleure photo possible par rapport au sujet. Now delivers so much more. And as iOS becomes the world's largest. Vous n'avez jamais au jour basket avec un dinosaure. It will redefine what's possible. This is iPhone 10. Alors attention les gars, okay. Là il faut s'accrocher, mettez le casque, okay. Mettez le casque, l'airbag, parce que là, le cardio-fréquence mèche. Attention les amis, on va connaître le prix de cet iPhone 10. Alors bien sûr, il ne tue pas la planète, arsenic free, hein. ça c'est cool. Non, c'est important. C'est important. Je pense que Nicolas Hulot doit faire une petite hola. On accuse souvent les fabricants de sans ménagement avec la planète. Ils font quand même quelques efforts. 64-256. Bah alors, où est le 500 Go dont on avait parlé? Alors, vous aviez dit 1099. Et écoutez, il y a 999, les gars. Moi, je pense que c'est moi qui dois remporter. C'est moi qui dois remporter cet iPhone. Ah oui, c'est le 64 qui est. Ah, le 3 novembre. Ah, d'accord, donc il est le 27. Voilà, il est en décalage. Hein. Ouais. Alors regardons bien ce slide parce qu'il est important. On voit tous les prix de tous les téléphones. iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, the new generation iPhone 8 and the futuristic iPhone 10. Voilà. Donc 999, le 64 Go, on est d'accord. Exactement. $999. Alors, et le 256, il n'a pas donné le prix. Non, parce qu'il n'a pas osé, en fait. Il avait peur que les gens s'évanouissent dans la salle. Donc c'est bien ce modèle que nous vous faisons gagner. Et bien voilà. Voilà, donc on l'apprend en même temps que vous. Voilà. Vous serez livré à partir du 3 novembre. Qui coûte au moins $999 en euros. On pense qu'il va être un petit peu plus. Juste une précision. Donc ce téléphone est à remporter. Regardez, on vous l'explique là. C'est très simple. Vous allez sur zeronet.com. Vous cliquez sur le bandeau qui est en haut de la homepage. Et vous arrivez sur la page que vous voyez actuellement. D'accord ? Et là, vous avez zeronet.com, vous faites gagner le nouvel iPhone. Vous cliquez là-dessus, vous répondez une question vraiment toute bête. Regardez, si on peut la faire défiler, la question, elle est vraiment très simple. Elle est un petit peu plus bas. Bon, voilà, là, ça marche pas, Mali, hein, la question, ne vous inquiétez pas. Et donc là, vous répondez à la bonne question, vous nous donnez la bonne réponse, et automatiquement, vous participerez au tirage au sort. Et ce nouvel iPhone 10 sera pour vous, les amis. Ça doit être la pub de l'iPhone 10. On verra le 3 novembre. Écrans. Le 3 novembre, le nouvel iPhone 10. Attends, dispo ou... Oui, dispo. Disponibilité, ouais. 3 novembre, c'est pas de mal. Ça va être hein. Sans doute le cadeau de Noël qui va être le plus recherché. C'est plus tard que prévu. Parce qu'on peut imaginer qu'il sort début novembre. C'est que, évidemment, Apple a pris du retard sur la conception de ce téléphone. Et la production, surtout avec l'histoire de l'écran, la etc. La production, etc. Ouais. Donc, on n'aura pas beaucoup qui arriveront le 3 novembre. Thank you.
C'est un peu mou, non, les applaudissements. So what a morning we've had. Apple Watch Series 3 with cellular. Ah, il fait un petit récap. You get the freedom to go anywhere you want. C'est bien ça. With or without your iPhone. Ça fait deux heures qu'on est ensemble, j'ai pas vu le temps passer. Oh, non mais c'est vrai, ça veut dire que c'est une conf rythmée avec pas mal de choses, pas mal de nouvelles. Mais ça veut dire que quand on est ensemble, tu voyais le temps passer, tu vois la keynote. Je suis un peu déçu quand même. Bah, dans le passé, on a connu des... Dans le passé, parce que là c'est le futur. Ouais. On a connu des keynotes un peu plus poussées. Des démos qui n'en finissaient plus. Ouais. And of course, powerful AR capabilities. We think you're going to love it. An iPhone 10, the most advanced. On nous dit sur Twitter, ne vous excitez pas, $999, c'est les prix hors taxes aux US. Certes, mais on sait bien ce qui se passe, c'est que très souvent c'est du copier-coller, un peu, alors il faut rajouter un semblant de taxes, et puis... Mais alors juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'euro est plutôt fort par rapport au dollar depuis un certain temps, donc... On peut peut-être imaginer que, voilà, on soit pas trop loin des 999 €. On a commencé avec un hommage à Steve Jobs, on finit par une citation de Steve Jobs. And we hope you love what we've introduced today. I think Steve would be really proud of them. Steve serait très fier. Ouais, ça c'est clair. On le sent vraiment ému. Hein. Non, non, ouais, non. Bah aucune, oui, il y avait une vraie relation vraiment, personnelle. Hein. C'est ce que je disais, voilà. Steve Jobs lui a laissé les clés d'Apple avant de partir. Avant son décès. Avant son décès. C'est vraiment l'héritier, Tim Cook. C'est l'héritier, bien sûr. Bien sûr. Representing their teams from hardware and software and services. Please stand up and operations. Our amazing retail employees. On fait lever tous les employés d'Apple dans la salle pour les remercier. And everyone that works so hard on this theater and on Apple Park. One of the great things about this theater is an unbelievable hands-on area. It is the most beautiful hands-on area we've ever had, by far. And I would encourage all of you to join us there and get your hands on these wonderful products. Thank you so much for spending the morning with us. Thank you. Voilà, 20h55. Cette keynote a commencé à 19h tout pile, elle a duré donc 1h55, 1h55 ouais. Malgré tout d'annonces, c'était très dense, c'était magnifique, vraiment très costaud, avec beaucoup beaucoup de choses. On va vous faire un petit récapitulatif dans quelques instants, mais auparavant on est ravis d'accueillir Pépé Garcia qui suivait tout ça de, juste derrière ouais, backstage. Ouais, ouais, c'était vachement salut, bien, ah ouais, salut, salut les garçons, salut il est tout là, le monde. Il est apparu Pépé Garcia, ouais, alors ouais, Pépé c'est notre, notamment notre homme de l'audio et de la télé et de, oui, et de l'image. On est, hein. On est plusieurs ici à 01net, être des grands spécialistes, voyez-vous. Oui, alors j'ai écouté plein de trucs, qu'est-ce que vous voulez savoir en fin de compte? Qu'est-ce qui t'a marqué, allez tiens, vas-y, dis-moi. On va faire HDR, on va faire... Il y a un truc qui m'a marqué tout à l'heure, c'est quand tu as dit tu que... Tu me montres du doigt. Tout à fait, je le fais exprès, parce que tu m'as dit un truc tout à l'heure qui, moi, m'a fait bisquer. J'avais entendu, en fin de compte, que sur iTunes, quand ils essayaient de négocier avec Hollywood sur le prix des films en ultra HD, Hollywood refusait de céder sur ces tarifs. Et dit, nous, on les laissera à 29 euros et les autres au prix que vous voulez. Et là, tu es en train de me dire que ça sera le même tarif qu'on prenne en full HD, en HD, ou bien en ultra HD. T'es sûr alors, sûr c'est de ça. Je lisais tout simplement les propos de Pierre Fontaine, ouais, qui était sur place, c'est ce qu'il disait, a confirmé. Ils ont même dit un truc très intéressant, c'est que si tu avais des vieux films en HD, oui, ils vont t'offrir l'upgrade gratuitement. Bah, comme au début, quand la musique est passée de 128 à 256, oui, ils ont offert plus ou moins. Donc moi, je trouve ça vachement bien pour les gens. Alors qu'il y a du tu HDR... Tu penses que ça va créer un élan sur le marché ? Évidemment, qu'on soit clair sur la force d'Apple, si Apple décide de faire un truc pareil, ça aura un retentissement, le même genre de retentissement qui m'a surpris quand j'ai entendu parler de Dolby Vision. Parce que Dolby Vision, c'est une licence, ça veut dire qu'il faut payer. Ouais, ouais. C'est-à-dire que HDR, le HDR 10 qui est su, c'est libre. C'est un standard. C'est free, le HDR.
faire. Le High Dynamic Range, on peut le trouver partout. Vision, donc Dolby Apple Vision. Met la main au portefeuille pour là, s'acheter le Dolby Vision. Voilà, c'est ma plus grande surprise. Alors, quels sont les apports du Dolby Vision, Dolby, Pépé, hein. Du coup, si tu peux nous rappeler, juste parce que bon, Dolby Vision... Alors, la différence entre HDR et Dolby Vision, par exemple. Non, l'apport de Dolby Vision, si on a du Dolby Vision dans ces nouveaux iPhones, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir de plus? Par rapport au HDR, le HDR est un... Les amis, je vous coupe deux secondes. On a Pierre depuis Cupertino, le Steve Jobs Theater. Pierre, est-ce que tu nous entends? Pierre Fontaine. Est-ce que Pierre est là? Pierre va arriver. On le connecte, les amis. On est en train de brancher le processeur A11 de l'iPhone 10 que nous n'avons pas. Tadam. Et en théorie, on va avoir Pierre Fontaine dans quelques instants. Jamais été aussi beau. Il est beau, mais on ne l'entend pas. Il est là. Alors, est-ce qu'on peut entendre Pierre? Oui, Pierre, ça y est, on t'entend. Salut, Pierre. Salut Pierre. Alors Pierre, fais-nous un gros plan sur ton visage pour voir si les larmes coulent. Non mais j'espérais avoir la techno pour animer un emoji caca, mais j'ai pas pu, je suis désolé. mais je n'espère pas d'y arriver. Bon alors Pierre, on va pas revenir sur toutes les annonces qui ont été faites, mais une chose qui est vraiment assez frappante, c'est que tout ce qui a été annoncé ce soir, on le savait déjà. À part oui, non même j'allais dire à part les prix, non même les prix on avait déjà une idée assez précise de ce qui allait être annoncé. Il y avait eu de belles fuites effectivement, belles fuites avérées donc. Après, on a pas mal discuté ici entre journalistes et même avec Apple. Ça change rien à ce qui a été annoncé. Non, bien sûr que non. Mais effectivement, le petit côté, oh la bonne surprise tombé à l'eau pour le coup, c'est vrai. Alors on a le AirPower quand même. On a le AirPower. C'est vrai, l'AirPower est là, qui est pas encore là, hein, qui arrivera l'année prochaine quand le vent aura tourné. Il y a quand même de belles surprises. Moi surtout, je trouve que les iPhone 8, hein, c'est leur nom maintenant, les iPhone 8 sont finalement plutôt pas mal, ils ont quand même un saut technologique intéressant. Alors effectivement, quand on a l'iPhone 10 derrière, on se dit bah je vais plutôt prendre celui-ci même s'il est plus cher. Mais en revanche, moi je me pose la question de savoir comment ils vont réussir à nommer leur smartphone l'année prochaine. Oui. La malédiction du 9 comme Windows qui a squeezé le 9 dans ses. Comme Microsoft exactement. Qui a squeezé le 9 dans ses Windows, Apple va peut-être faire la même chose. Ouais, je pense qu'il va y avoir soit il va falloir qu'ils abandonnent effectivement la numérotation, soit qu'ils trouvent une solution, mais ça va être difficile. En tout cas, si tout ce qui a été énoncé avait été dévoilé, il n'y a rien de décevant dans tout ça. Moi je suis assez curieux de voir ce que va donner la technologie Face ID. Parce qu'effectivement, avant qu'ils annoncent qu'elle ne s'activait pas tant qu'on ne regardait pas activement le capteur, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va donner pour la vie privée, etc. Ou le respect de. Enfin, par exemple, si un utilisateur ne veut pas déverrouiller son smartphone pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça va poser des questions, mais j'aimerais bien voir comment ça fonctionne en tout cas. Pierre, je te coupe deux secondes. Peut-être que tu as déjà les prix en euros de cet iPhone 10. Non, pas encore. Non, alors, je les ai parce que je suis sur le site d'Apple. Accrochez-vous, les amis, d'accord. Ça fait très mal. Bon. Non, je vous le dis tout de suite, accrochez-vous. On est à 1159 euros. Ouais. C'est vrai? Pour le 64 Go. Euros. Pour 64 Go. À partir de. Donc, je suis désolé de vous dire ça. Oh là. Mais. Ça pique, comme on dit. Oui, enfin bon, on s'y attendait. Hein. Je m'attendais pas à la barre des. Non, mais je m'attendais pas à autant d'écart. Oui, moi non plus. Tu vois, c'est vrai que c'est hors taxe. Il y a le prix pour le 256 ou pas? Je vais te donner ça. Pierre, deux secondes. Tu nous en ramènes 3-4? Il est en deux capacités. 64 Go ou 256 Go. 256 Go, vous êtes accroché. On est à 1329 euros. Waouh! Ah non, mais là on pète les scores. Il existe en deux couleurs. Il existe en argent et en gris sidéral. C'est du vrai argent. Ouais. Ils peuvent payer la licence Dolby Vision. Ils peuvent. Alors attendez, si vous êtes gentil, je peux même vous donner les prix de l'iPhone 8 parce que je pense qu'ils doivent être déjà sur le site. Pierre, qu'est-ce que tu retiens, toi? C'est l'iPhone 10, forcément, de tout ce qui a été annoncé ce soir? Bah, moi ce que je retiendrai, alors certes c'était diffus dans toutes les annonces iPhone, c'est qu'ils ont quand même bien mis en avant la réalité augmentée et des débuts d'usage de réalité augmentée, et alors certes parfois anecdotiques avec les animojis qui font pouet-pouet, mais aussi avec des démonstrations de jeux, avec des démonstrations de jeux qui très sérieusement rappelaient bien les démonstrations HoloLens de Microsoft, sauf que HoloLens on n'a pas encore sur la tête. Alors que des iPhone 8 et des iPhone 10, on peut espérer en avoir, si on fait un prêt à la banque, en avoir dans les mois à venir.
Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, moi, je trouve qu'il y a, la réalité augmentée. On a vu qu'Apple, hein, quand ils ont dévoilé l'AirKit en juin dernier, c'était un gros enjeu pour eux. Et là, ils ont quand même confirmé cet engagement vis-à-vis de la réalité augmentée. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant, en fait. Voilà, moi, j'en tiendrai plus ça, même si le matériel est intéressant. Mais voilà, c'est le matériel qui permet l'arrivée de la réalité augmentée. Ouais. L'iPhone 8. Le...